Salut, bonjour. Quoi de mieux pour parer à tout effondrement, baisse de morale, trucs qui vont vers le bas, qu'une bonne ascension, hein? Bon, alors si ça vous dit, on va aller avec Dan Winter étudier l'ascension, le phénomène électromagnétique de l'ascension. Ah ah, ben oui, dans un univers électrique, bon, hein, il faut bien s'attendre à quelques tendances aimantées. On y va? Alors, je tire ça d'un site qui s'appelle Portail to Ascension. Bon, c'est un hasard, c'est parce que je regardais les interviews de Dan Winter, en fait. Et que là, il en a fait une qui décrit donc l'ascension, son ingénierie électrique. C'est une conférence qu'il a faite en 2020, a priori, nommée Ascension 2020, on va dire. Alors, en fait, c'est une interview par, il me semble qu'il s'appelle Alan Steinfeld ou Scheinfeld, du site New Realities. Bon, ben, sur YouTube, vous le trouvez sous la description que je vous ai donnée précédemment. Alors, Alan a fait beaucoup de vidéos sur le développement personnel, on va dire, hein, globalement. Enfin, tout ce qui est intéressant, ésotérico, occulto, pas magique, sain. Naturel. Non. C'est pas le mot non plus. J'ai mon chat qui s'étouffe. Ben alors. Le chi, la télépathie. Enfin, il a interviewé plein de monde. C'est le Kerry Cassidy d'une partie plus concrète, quelque part. Enfin, c'est difficilement concret, puisqu'à chaque fois, on parle surtout énergie, mais sans trop les iti avec lui. Si je me rappelle bien, hein, peut-être que ça a changé depuis, ça fait un moment que je n'ai pas été le voir. Bon, alors, on continue. Il est avec Dan Winter, dont il est en train de dire que il met 10 minutes à comprendre la moindre des phrases qu'il a prononcées. C'est vrai, hein, vous allez voir ça, hein, vous rappelez, on l'a déjà fait 2-3 fois, cette traduction de Dan Winter. C'est des phrases à tiroir, et chacun des tiroirs développe encore. C'est mon maître en encart. À part que les siens, a priori, ils sont tenus, sérieux, suivis, logiques, un petit peu comme des démonstrations mathématiques. Et donc voilà Dan Winter qui va nous parler de la vraie science de ce que signifie l'ascension. La dimension d'à côté, le rêve éveillé, lucid dreaming, et le maintien de la mémoire au travers de la mort. Pas de reset, hein, pas de tunnel lumière. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben alors, c'est trop injuste, je ne me rappelle de plus rien. Et je suis en mission maintenant pour sauver la planète. Sauver la planète. La vraie science électrique de l'ascension, il va nous parler. C'est aussi la physique du fonctionnement des Stargates, des portes des étoiles, si on arrive jusque-là. Encart. Bonjour. Petit croissant. Alors, je me perds. Je me suis perdu. Oh là là. Stargate. Ah oui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les ETs ne communiquent pas vraiment avec nous.
parce qu'on n'est pas du tout psy, d'une part, et au niveau technique énergétique, on n'est pas très bon non plus. On n'a pas le niveau. Ce genre de technique énergétique, hein, ce genre de maîtrise des Merkabas, et ses capacités de concentration. En fait, je constate que tous ces membres des groupes CE5 aux États-Unis ou ailleurs, ou Stephen Greer, ou tous les groupes qui font de l'ufologie spirituelle ou l'ufologie ésotérique, on va dire, pratiquent des méditations et souvent des yogas. Voilà, ce genre de training du brain training, d'entraînement musculaire, parce que c'est l'idée que je voulais développer, musculaire du cerveau, hein, qui, dans mon image, là, est un muscle qu'il faut donc entraîner. Bon, il va commencer par 10 minutes d'introduction au sujet, et puis après, on aura des images. Alors, c'est le genre de 10 minutes où chacune des phrases, a priori, est un tiroir et sur lesquelles il faut prendre le temps de visualiser, de comprendre chacun des termes. Bon, maintenant, vous êtes rompus aux encarts, hein, de toute façon. Donc, comment dire, ben, c'est un peu la même chose, là, mais en plus sérieux. Hein. Enfin, sérieusement plus sérieux, d'ailleurs. Il nous dit que ça fait longtemps que le New Age, hein, New Age ou Woo-Woo, on dit en américain, nous parle de l'ascension. Et c'est assez semblable à ce que les chrétiens appellent « the rapture ». Alors, en français, « the rapture », comme je ne pratique pas la discipline, là, j'ai du mal à la traduire, mais c'est l'enlèvement. « Rapt », »,« rapture », kidnapping, hein, presque, dans l'idée. Hein. À part que normalement, le kidnapping concerne les enfants, mais là, c'est l'abduction, quoi. Mais bon, pas vraiment la même, normalement. Hein. Ce contre quoi, justement, on vous met en garde, ne montez pas dans les vaisseaux, c'est l'idée que si vous faites une ascension énergétique, bon, ça se discute. Mais si vous avez un gaillard qui descend et vous propose un ticket pour le paquebot, là, le paquebot aérien, posez-vous quelques questions de ressenti profond quant à son intention. Voilà. Parce qu'il y en a certains d'entre eux, et ça fera partie, plus ou moins, possiblement, d'une des sections du projet Blue Beam. Il y a de nombreuses sections. Hein. C'est comme une invasion... derrière, elle se fait à plein de niveaux. Hein. Il y a des gens qui descendent sur le terrain, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air, il y en a sur les ondes, il y en a sur les fréquences, il y a les espions, quoi. Il y a les lignes avancées, il y a ceux qui ont passé derrière les lignes ennemies, il y a l'intendance, hein, le service du courrier. Bon... You have got mail. Et il est dit d'ailleurs que pendant The Rapture, les flingues vont fondre, les revolvers, les fusils vont fondre, les armes, les guns vont fondre. Alors, il va nous en expliquer la réalité physique du pourquoi, du comment. Hein, structure moléculaire, moi je vous le dis, un truc dans le genre. Enfin, déstructuration moléculaire, on va dire. Peut-être un petit peu comme les armes de torsion ont fait avec les poutrelles d'acier du 11 septembre. Septembre, hein, pas novembre. Ouais, septembre. Hein, tout a été réduit en nanos de poussière de 80 micromètres, nanomètres de diamètre. Tout, c'est pas possible. C'est bizarre. C'est quoi cette moulinette? Le fait est que les métaux n'ont pas le bon diélectrisme, si ça se dit, la bonne
configuration diélectrique et qu'ils vont générer de la chaleur lors de cette transformation au moment où la compression de charge va atteindre la dimension d'à côté, la prochaine dimension. Ouais. La compression de charge. Alors, il va sûrement nous expliquer ce que c'est que la compression de charge. On en a déjà parlé, hein, mais là, tout de suite, je vais le laisser parler, parce que je ne me rappelle pas bien. Je vois ce que c'est, l'idée, mais ça suffit pas. Là, ça ne suffit pas pour comprendre. Alors, au moment où la compression de charge va atteindre la prochaine dimension, c'est ce qui correspond à une compression longitudinale. On est dans les ondes de torsion. On est chez Tom Bearden aussi. Enfin, c'est lui qui est dans le domaine, quoi. Mais bon. Disons qu'on est déjà passé dans le domaine, nous. Hein. La fine équipe, là, bienvenue aux nouveaux arrivants et mes hommages aux anciens. Donc, quand la charge devient dense, quand le spin devient dense, oui, encore, on avait développé que cette charge était due au spin. Le spin, c'est la vitesse de rotation. C'est le fait de tourner sur soi-même. C'est le fait de... Les spin docteurs, c'est ceux qui réfléchissent. Il faut de la musique aussi, mais bon. Et donc, il n'y a qu'à... l'efficacité de la distribution de charge qui fonctionne pour résoudre cette compression sans, je suppose, implosion ou explosion, vous voyez, en respectant les dimensions, en respectant la proportion, en respectant l'entité, si on peut dire. Là, entité, c'est... la compression de charge, c'est notre conscience en fait, hein, dont on parle là aussi, et notre mémoire, enfin plein de choses. On continue. Donc quand la charge se densifie, il n'y a que l'efficacité de la distribution de charge qui fonctionne. Works, in our words, heaven, hey, ave, the breath of life taking flight, and... Ah, et là c'est difficile à traduire, hein. Et dans le ciel, la voix de Yahvé qui prend son vol. Plains of Sharon. Sur les plaines de Sharon. These are all actually names for charge. Ça, en fait, c'est des noms. Distribution efficiency. Pour l'efficacité. Efficacité. Pour la distribution de charge. Pour le phénomène de distribution de charge. Which obviously in the end is fractal. Qui, de manière évidente, à la fin est fractal. Can I back up one second? Charge distribution. Ah, Steinfeld réagit, il dit, oh là! La distribution de charge, c'est quoi, là? So you mean a combustion engine? Et vous parlez comme d'un engin à combustion? Let's just take it simply industrial for a second. Can you talk about, in simple terms, charge distribution? Expliquez-nous en termes simples, s'il vous plaît. Bon, là, je vais continuer tout seul parce que sinon... Mais c'est plus pratique pour moi, hein, en tout cas. Je me perds moins. C'est moins fatigant mentalement de ne pas interrompre la traduction avec autant de manipulations. Alors bon, ça ne vous regarde pas. Je peine. C'est le matin et je peine. Même le chat est lourd. Quand le chat gris et noir pèse comme un couvercle. Bon. L'univers est composé d'un médium simple et unique, compressible. Et certains l'appellent l'éther. Mais en fait, l'éther, ce ne sont que des charges positives et négatives, qui sont la compression et la raréfaction de l'éther, qui est simplement un superfluide. Oui, encore. Oui, c'est ça. C'est une question de pression. Tout est une question de pression, en fait. L'unité commune pour tout mesurer, c'est la pression.
Une bonne pression. sans moustache. Bon. La pression fait tout. La pression fait le courant, la différence de potentiel. La pression fait la température, la densité, la pression. C'est le champ de charge dont parle Miles Mathis. C'est l'éther, là. Enfin, oui. L'éther, c'est le contenant de ce phénomène de pression. Enfin, bon. J'espère que je vous ai laissé une bonne impression. Je suis épuisé en plus. On y va. Donc la distribution de cette charge électrique, pour que ça marche, pour que ce soit efficace, c'est la physique de l'abondance, l'économie des fractales et du paradis. Du ciel, heaven. Et c'est là où vous allez lorsque vous passez dans la dimension d'à côté. La bonne. Pardon. La meilleure des deux, a priori. Je dis des deux si on ne passe qu'une frontière. Si on en prend plusieurs, bon, plusieurs. Mais bon, c'est là où vous allez lorsque vous allez ascensionner. Et l'entrée dans ce royaume, en science, c'est l'entrée dans le royaume des émissions, des fréquences électromagnétiques longitudinales et de leur interférométrie. C'est quoi l'interférométrie? Eh bien, c'est « tu interfères, mais tu tries ». Bon, c'est l'étude justement des interférences entre différentes ondes qui, suivant comment, comme vous le savez, peuvent être cumulables et des fois s'annuler l'une l'autre. Et c'est très important, là, les nœuds de position. Une fois vous avez la réalisation, une fois vous avez sa disparition. Donc c'est la distribution efficace des ondes de compression. Et comme exemple, il va nous citer Bruce Cathy, qui a mesuré les lignes magnétiques de la grille terrestre, et qu'aux endroits où ces lignes magnétiques se croisaient, c'est l'endroit où se bâtissaient les cathédrales, les labyrinthes, et l'endroit où Aniotra fonctionne. Encore, Aniotra, j'ai fait une vidéo sur Aniotra. C'est une cérémonie hindoue qu'on pratique au lever ou au coucher précis du soleil, avec une incantation, une crémation de bouse de vache séchée imbibée de ghee, de beurre clarifié, avec récitation d'un mantra. Et c'est une petite cérémonie comme ça, qu'on n'est pas forcément obligé de pratiquer tout le temps, mais une fois qu'on l'a commencé, il faut l'entretenir. C'est un petit peu des choses qui me gênent quand même. Comme la pratique du labyrinthe. Si vous la commencez à la pratiquer, il faut la perpétuer. Parce que sinon, vous avez comme une dette. Je ne sais pas, il y a une idée comme ça qu'il avait développée un jour. Il y a comme un karma finalement négatif qui s'inscrit quand vous cessez de respecter l'échange avec la nature. Enfin, c'est... J'avais ressenti une contrainte un peu spéciale. Donc, bon, ce n'est pas le sujet. Donc, Aniotra, cette cérémonie qui permet, alors dans une vallée d'Autriche, me semble-t-il, il faut voir les vidéos de Yannick Van Dorn, il en parle. C'est de là que ça vient d'ailleurs, ce que je vous dis. Dans cette vallée d'Autriche, ils avaient fait des tests sur le lait qui n'était pas radioactif alors qu'on sortait de l'histoire de Tchernobyl. De plus, il y avait une meilleure ambiance, une meilleure générosité de la terre. Il y avait, enfin voilà, ça arrange les choses localement. Alors on peut se demander pourquoi, comment. Peut-être qu'on va avoir des indices ce matin pour y réfléchir. On va voir. Si j'arrête mes encarts. Et qui accroît aussi les possibilités de faire de la télépathie.
pour ceux qui en ont la capacité. La capacité maîtrisée. Parce que je pense que tout le monde peut faire de la télépathie, comme la communication animale. Tout le monde peut la faire. Ah, ça veut dire plusieurs choses, hein, la communication animale. Ça veut dire considérer que les animaux ont une conscience. Alors, il y a plein de gens là qui vont avoir des problèmes, mais bon, je sais bien. Il faudrait marquer ça sur les murs de... certains murs. Les animaux, eux, ont une conscience. Bon, pas le sujet. Oui, tout le monde peut pratiquer télépathie, ou c'est aussi de la télépathie quelque part, la communication animale. Tout le monde n'est pas Mozart, mais tout le monde peut jouer du piano. Un petit peu, de temps en temps. À l'occasion. Si tu veux. Il y a donc quelque chose en rapport avec ces lignes de croisement et ces points de croisement de la grille magnétique. Enfin, Earth Grid, de la grille terrestre. Il n'a pas vraiment parlé de magnétique, d'ailleurs. Oui, si, c'est les lignes magnétiques. Et la masse critique des matériaux radioactifs y est aussi réduite de manière importante. Et la physique qui explique ça traite aussi de la compression. Enfin, traite. Et celle de la compression. On sait que la grille terrestre est un dodéco, un dodécaèdre. Non, même pas. Dodéco, ça est... Enfin, c'est... Excusez-moi. Critical mass is dramatically reduced. And the physics for that is about compression. So at bon. Those nodes, which it turns out we know the Earth grid is dodecaicosa. That... Dodecaicosa. It's called fractal. Edra. Et donc fractal. 3D. En 3D. Et là, il nous la montre. Our famous star mother kit. Alors, c'est un objet que, dont il se sert depuis de nombreuses années lors, dans ses conférences, Dan Winter, qu'il vend aussi, qui permet de construire tous les solides platoniens, inclus les uns dans les autres. Enfin, tous ceux qui s'incluent les uns dans les autres. Et vous le voyez là, vous l'avez vu. Hein. Sinon, vous revenez. Ouais, je vous le remets. Ben. Allez, allez. Chipote. Ah, j'ai peur. Ah, j'y arrive pas. That's the Earth grid you're saying? That is the Earth grid, what you just showed us? Yeah, the Earth grid is. It's clearly a stellated dodecaicosa. Everybody agrees, Andy Grabby and the World Grid and Kathy on down. And the reason the Earth grid is dodecaicosa is because the longitudinal compression... Une grosse partie de nos communications électromagnétiques, de notre Wi-Fi, utilise la composante transverse electromagnetic wave, which... de notre onde électromagnétique, c'est-à-dire la composante... verticale, montante et descendante. Mais il y a aussi une composante horizontale. Hein. Vous avez l'onde qui va vers vous, comme ça, par exemple, et en même temps, hein, ça va être facile à faire ça. Et, vous avez celle-là et en même temps, vous en avez une autre. Le Mongolio. Exercice du dimanche matin. Vous avez l'onde sinusoïdale et en même temps, vous avez la transverse. Quand on était petit, on faisait un jeu aussi. Il y a une main qui tape sur la tête et l'autre qui se caresse le ventre. Voilà, ça revient. C'est bien mon petit, t'as bien mangé. C'est pas facile. Après, il faut changer de sens, puis changer de main. Voilà. On se rappelle aussi qu'il y avait ces petits exercices-là. Hein. On croise les bras, les doigts et on masse le tour des sourcils, des yeux, des oreilles, mais enfin à l'envers, comme ça. Et puis, ouais, il faut masser ces deux points-là, quoi, de part et d'autre des lèvres. Et c'était un moyen de sortir, de réveiller le crâne, de sortir du Wi-Fi.
lors de l'accumulation de l'électrosmog en ville, par exemple. Surtout que là, vous allez avoir la 5G discrètement avec toutes les LED, à mon avis. En Angleterre, ils l'ont mis comme ça dans les rues. La 5G a le même impact respiratoire que, soi-disant, le corona, quoi. Ça provoque dans les cellules les mêmes exosomes, donc un aspect similaire à ces pneumopathies incompréhensibles parfois, et parfois d'autres effets. Ce qui explique pourquoi les toubibs étaient surpris. La 5G est une arme, ça a des effets nouveaux sur nous. Ça ne nous cuit pas comme la 3G, on va dire, ou la 2. Ou comme un micro-ondes normal, ça nous cuit différemment encore. Il y a ça, plus autre chose. Et donc, c'est la composante de compression de cette onde, parfois appelée à tort onde de torsion, et c'est appelé une onde longitudinale électromagnétique. Les physiciens ne savent pas vraiment comment l'utiliser, parce que c'est aussi ce qui crée les ondes gravitationnelles, et ils ne comprennent pas vraiment l'utilisation à distance de ces ondes, l'effet à distance de ces ondes, parce qu'il y a cette question d'interférométrie nodale, cette histoire de nœuds et des interférences des ondes qui créent ces nœuds ou pas. Donc, ces nœuds où on vous a dit tout à l'heure que si on considère la grille terrestre, ce sont les endroits où sont placés les places sacrées, quoi, quelque part, les endroits où vous vivez mieux, où vous avez plus de capacité, où vous vieillissez moins que si vous vivez à côté de cet endroit, parce que votre négantropie est augmentée. Donc, c'est ces fréquences électromagnétiques longitudinales dont on regarde l'interférométrie nodale à distance qui permet d'expliquer ces phénomènes de transfert de force à distance. Et c'est aussi la physique de tout ce qui a un rapport avec un support spirituel, que ce soit le rêve lucide ou survivre à la mort. Vous entrez dans un faisceau de compression longitudinale dont vous parcourez les nœuds en gardant la cohérence de vos charges. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Ba depuis le Ka. Or what Gurdjieff called the Kejian body. Ce qui va jusqu'à la création du Kejian body, du corps Kejian. In order to take memory through death and de manière à garder sa mémoire au travers de la mort. Communicate with the ancestors and lucid dream. Ou de communiquer avec vos ancêtres ou de faire du rêve lucide. And that is all about longitudinal interferometry. Et tout ça concerne l'interférométrie longitudinale. And let's regard your question, Alan, as not answered until I get to the pictures, okay? Mais bon, on en saura plus lorsqu'il nous montrera les images. Mais pour vous montrer à quel point c'est efficace, si vous considérez notre pyraphi, il a construit une sorte de pyramide à 5 branches, me semble-t-il, dans laquelle il y a un système de géométrie sacrée incluse et de symbolique, et qu'il a appelé le Pyraphi. Phi parce que Phi, 1-6-18, et Pyra parce que feu. On continue. C'est une technologie de rajeunissement. Fait pour devenir môme, quoi. Ah, j'ai 15 ans, je passe un moment là-dedans, j'ai 13 ans que je sors. C'est encore pire, quoi. Bon, allez, je vais faire un mamie-foot et je reviens. À tout de suite. Bon, j'ai eu du succès avec ce truc-là dans au moins 25 pays. Ça réduit la douleur. Et il y a des témoignages assez incroyables autour. Ben, vous mettez dans la pyramide, vous mettez en position du lotus, vous méditez là au milieu, et ça voyage sec, quoi, a priori.
C'est du genre, si vous mettez des graines en plus, elles poussent mieux. Si vous mettez de l'eau, elle est boostée. Enfin bon, il faut aller voir. Hein. Donc, Dan Winter, c'est une encyclopédie quelque part et il a un nombre de sites incroyables. Il a développé un nombre de sites incroyables, tous qui tournent tous autour de son ingénierie électrique de la vie. Il s'y connaît en Kundalini aussi. Il explique tout ça. Hein. Tout est lié à un certain niveau. En tout cas, il arrive à en décrypter le support électromagnétique. Bon. Après, nous, on explique ça chacun d'une manière particulière, personnelle ou pas, ou très liée à l'expérience qu'on en a eue, aux émotions qu'on a ressenties, à ce qu'on a pu en analyser. Voilà. Et lui, il nous dit, oui, mais quel que soit le nom que vous mettez là-dessus, maintenant, on va faire les maths. Hein, on va décrire la physique. C'est ça, oui, il nous parle de la germinaison des plantes, des graines, de leur boostage. Mais ça, déjà, dans une pyramide normale, vous pouvez le faire. Mais une pyramide bien orientée et aux bonnes dimensions. Avec des baguettes en bois, vous pouvez construire ça à la maison, vide, hein, rien que le cadre pyramidal, donc un carré et les montants. Voilà. La longueur du carré doit être 90% de la diagonale montante, me semble-t-il. Voilà. Allez voir Yannick Van Dorn aussi, une fois de plus, électroculture et pyramide. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'augmentation de la capacité de faire des rêves lucides dans ces endroits. Et on en connaît la physique, c'est plus un mystère. Et ça explique aussi les centaines de témoignages de guérison à distance. Et tout tourne autour du fait de propager correctement une onde longitudinale. Par exemple, lorsque vous voulez soigner quelqu'un à distance, je crois que c'est mieux de demander si on peut le faire hein, d'abord. Mais bon, et si la personne le veut bien. Alors que autant l'émetteur que le receveur sont à des croisements de la grille électromagnétique terrestre, le soin est plus efficace. Et en plus, si ça se passe au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est encore plus flagrant. And the physics is because of when those charge lines converge. Et la physique en est que lorsque ces lignes de charge convergent de manière perpendiculaire, d'une certaine manière, lasers have to be in a square to phase. Les lasers ont besoin d'être en conjugaison de phase carrée de façon à pouvoir créer un renversement temporel et de la négentropie. So that square arrangement. Négentropie, c'est l'augmentation du potentiel énergétique pour survivre et pour vivre. C'est l'inverse de la fuite et de la dépression. Ah, je vous ai perdu là encore. Oh là là. On en était là donc. Donc cet arrangement perpendiculaire d'ondes longitudinales, ce qui correspond aux quatre directions sacrées dont parlent les peuples premiers, les natifs. C'est aussi le début de la physique de la conjugaison de phase, des charges. Au-delà, il faut être précis, hein, alors je vais reprendre. So that square arrangement of waves, what the Aboriginals or Natives would have called the sacred four directions. Les quatre directions sacrées, hein, l'est, l'or. Il y a un ordre, hein. Donc je ne vais pas le dire parce que je ne connais pas l'ordre là. Ça dépend dans quelle pratique on est. Sûrement. Beginning of the physics of phase conjugation, charge implosion. Ah, donc, oui, l'implosion des charges, la physique de l'implosion des charges. And all that good stuff. Et tout ce bon matériel intellectuel
à savoir, mais à comprendre et à pratiquer surtout, évidemment. À comprendre, surtout à comprendre. Savoir, ça encombre pour rien. Quand vous comprenez, après, vous avez l'état d'esprit qui permet de comprendre constamment, vous pouvez oublier et retrouver. À mon avis. Mais n'oubliez pas trop quand même, hein, parce qu'après, continuez à pratiquer de temps en temps. Vous repassez dans tous les domaines, de temps en temps, vous faites une mise à jour, vous regardez un vieux truc. De toute façon, à garder un panorama le plus généraliste possible de tout. C'est comme ça, quoi qu'il arrive, on n'a au moins pas tout perdu en plus, hein, mine de rien. Pardon. Et puis, de toute manière, pour pouvoir évoluer, me semble-t-il, mais là, même de notre vivant, hein, pas question d'ascension, il faut être équilibré, travailler sur tous les plans à la fois. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, oui, et le corps spirituel, oui, mais aussi dans les disciplines Internet, on va dire, ou culturelles, travailler chez Dan Winter, travailler l'exopolitique, travailler le biomagnétisme, travailler la permaculture, travailler la sociologie, travailler la politique locale, travailler, je ne sais pas, tout ça en même temps. Un petit peu tout le temps. Hein. Bon, je fais mon grand-père, là, on va reprendre. Donc, ça aide efficacement les gens à faire des rêves lucides, parce qu'un des meilleurs moyens d'être sûr de pouvoir ramener ses mémoires au travers de la mort, c'est notre capacité à faire des rêves lucides, qui est une propagation des ondes, des fréquences électromagnétiques en ondes longitudinales, de manière à ce que votre corps puisse émettre son aura dans la dimension dans laquelle finalement vous aurez ascensionné. Which is propagate coherent longitudinal EMF to make your body radiate your aura in that ascended dimension, and that successful doing of that compression of harmonics. Et la réussite de cette compression des ondes harmoniques, which is the only physics of bliss and qui est la seule physique de l'extase, successful death et de la mort successful. La mort avec succès, vaincre la mort. On ne parle pas de physique là, hein, de corps physique. Is indicated by the fact that successful death clearly requires an electrical black hole. Et c'est dû au fait que la mort successive, avec succès, demande la création d'un trou noir électrique. The reason you see lattice cobwebs, tunnel spirals, and geometry of what everyone sees when they die, we know it's la raison pour laquelle vous voyez tout ce que voit n'importe qui meurt. Exactly why, because alors non, il nous avait décrit quatre schémas qui sont une toile d'araignée, une croix gammée, un damier, enfin. Un tableau, une grille, et your DNA is trying to ascend. Il va sûrement nous les remontrer. That necessary black hole in our lattice cobwebs, tunnel spiral, and geometry, whatever is indicated by the fact that successful death clearly requires an electrical black hole. The reason you see lattice cobwebs. Ah, mais je sais pas le traduire. Tunnel spiral. Le tunnel, la spirale, geometry, what everyone sees. La toile d'araignée, le tableau. Ah, je n'avais pas dit la spirale, je crois. Ce n'est pas la croix gammée, du coup. Mais c'est le même truc, c'est la même raison. C'est la même raison. C'est un schéma des énergies qu'on voit. Il y a aussi une autre croix qu'on peut voir, c'est la croix de Malte. We know exactly why. Because your DNA is trying to... Enfin, à chaque fois que vous voyez un truc, ça veut dire quelque chose. C'est la configuration, la représentation d'un phénomène qui est en train de se dérouler. Pas forcément au niveau où on l'interprète, d'ailleurs.
to assemble that necessary black hole. Et les moyens d'assembler tout ce qui est nécessaire pour faire ce trou noir. In order to propagate your magnetic school here. Spiral, the geometry of what everyone sees when they die. We know exactly why, because your DNA is trying to assemble that necessary black hole. Alors pourquoi est-ce que les gens voient ça? C'est parce que l'ADN a besoin d'assembler, de créer ce black hole. In order to propagate your magnetic coherently. De manière à ce que votre cohérence magnétique puisse se propager. In that longitudinal array. Dans ce faisceau longitudinal. Which. Oui. Depending on what tradition you come from, could be called. Suivant de quelle tradition vous venez. Called collective unconscious or. Peut-être appelé l'inconscient collectif. Ancestor memory or. La mémoire des ancêtres. In your saints, or the akashic records. Les records akashiques, les mémoires akashiques. Many names for the same physics, which. C'est beaucoup de noms pour la même physique. Which is a coherent longitudinal array. C'est cette cohérence des ondes longitudinales. Encore, peut-être qu'il y a une petite différence dans les différents termes qu'on a prononcés là, entre l'inconscient collectif, les mémoires akashiques et le troisième, et ceux qu'on n'a pas cités. Il y a peut-être une légère différence de densité, mais bon. This was what the Egypt... Tout ça, ça tient place dans les terres. It's called the box from the Ka, and we're going to talk about the grid McCathy with pictures. We have Agnihotra stories, you know, why the... Ah, l'Agnihotra. Donc, c'est dans ce récipient pyramidal qu'on fait brûler les bouses séchées, mais des bouses de vaches qui avaient des cornes et qui ont vécu de manière bio, si possible. Qui ne marcheraient qu'à ces points de croisement. En cas très important, donc, c'est pas quelque chose que j'avais dit ça, lorsqu'on avait fait la vidéo sur Agnihotra, parce que là je le découvre quelque part. Oui, c'est de manière, de toute façon, tout marche mieux à ces endroits-là. Bon, c'est assez évident, mais je me rappelle maintenant les vidéos des gens qui font ça dans leur pièce. Est-ce que dans cette pièce, ils ont traité de manière bio? Géobiologique, si on peut dire, sa situation, sa position. Parce que tant qu'à faire la cérémonie, autant la faire à l'endroit où ça marche le mieux. Attendez, si ça protège toute la vallée, elle faisait quoi, 9 ou 15 km carrés la vallée au minimum, en Autriche, là. Un lait moins radioactif, meilleur, en éléments, tout qui va mieux alentour, avec ce qui nous pend au nez, là. Mais ça, plus que quelques pyramides, des chembusters en orgonite. Et puis, c'est moins grave, le Starlink d'Elon Musk, le chemtrailage. Je sais bien, moi, je préférais enlever la gêne à sa source, hein, plutôt que constamment en réparer les effets. Mais au moins, en attendant que... quelqu'un se décide à sortir sa clamolette. Ah ouais, Gérard Lambert, faut pas le faire chier quand il répare son ventilateur. Ça va, ouais, c'est quoi Elon Musk? Régulièrement, maintenant, on se fait traverser par des champs électromagnétiques particuliers. Hein. Moi, ça bip assez souvent. Hein. Et régulièrement, vers les 700... milliwatts par mètre carré. C'est beaucoup, non? Je trouve que c'est beaucoup, moi. Je crois que c'est 1, la limite autorisée. Bon, je suis en train de me familiariser avec le détecteur, là, donc je peux me tromper un petit peu dans mes mesures, mais bon, on reprend. Do you want to answer one question? Propagating longitudinal waves supports healing, basically. Donc, la question, c'est est-ce que la propagation des ondes longitudinales soutient le ceiling, la colle? Basically, is what you're saying. Yeah. Because, think of this. We know that all restoration of negentropy, which is the physics of what's called healing. For... Nous savons que toute restauration de negentropie, cette auto-organisation, ce qu'on appelle aussi la guérison, le soin, la guérison, healing.
Et ça commence lorsque l'onde de compression arrive de manière symétrique from the correct direction, de la bonne direction. It starts with a cube and ends with a dodeca. Ça commence par un cube et ça finit par un dodécaèdre. When those compression waves, which are called longitudinal, arrive, lorsque ces ondes de compression, qu'on appelle longitudinales, arrivent symétriquement, enough to restore centripetal force, suffisamment pour pouvoir restaurer la force centripète, which is to say implosion at the Planck threshold, ce qui signifie une implosion à la dimension de Planck, where the transverse component goes to longitudinal, où les composants transfert se transforment en longitudinal, voilà, en longueur. The good stuff comes out the toothpaste tube. And a prime example is why the. Ah, voilà, il nous compare ça. Il nous compare ça à la sortie du dentifrice, d'un tube de dentifrice sans fluor, s'il vous plaît. C'est le moment où finalement le volume en largeur finit par sortir en longueur. Donc cette implosion nécessite suffisamment de force venant de manière symétrique, bien organisée, pour pouvoir créer l'implosion. Hein. Example is why the first nuclear device was called the implosion. They had to get enough compression. C'est notre premier appareil nucléaire, appareil dans le sens de machine, coming from symmetrical directions at once to initiate centripetal force. Donc cette arrivée de toutes ces forces symétriques lance les forces centripètes. And it always starts centripetal before it becomes centrifugal. Tout commence par être centripète avant de devenir centrifuge. And your aura is no exception. Et votre aura ne fait pas exception. So initiating that, and again, the pictures will be of great help here. So I think we want to drag out the pictures. Bon, il nous faut les images. But, right, that's a good basis platform, though. Go ahead. Then to finish the last 2 minutes of the verbal intro. Bon, encore 2 minutes d'intro verbal. And then the pictures. Okay, the last 2 minutes are then. So it resolves to this quintessential problem, which I. Alors, c'est la solution à ce problème de quintessence, I have been complaining about for half of, à cette quintessence de problème plutôt, my lifetime, that you, à laquelle il a dédié sa vie, or physics teacher, Einstein, NASA, and Stephen Hawking. Et tous les profs de physique, Einstein, la NASA, Stephen Hawking, lequel hein, le gars, encore, regardez un petit peu le nombre de sosies qui ont joué le rôle de Stephen Hawking, qui était atteint d'une maladie qui normalement devait le tuer vers ses 23 ans. C'est ce qu'on me disait, moi, quand j'apprenais des trucs dans le genre. C'est une maladie dont les déformations d'organes ne vous permettent pas de vivre assez longtemps. Voilà, c'est terrible. Et Hawkins, il s'est marié, enfin bon... Il était au top de l'astro, de la physique, enfin bon, sauf qu'il parlait toujours avec la même machine depuis 20 ans, avec la même voix. Et que c'était le discours officiel de la NASA et des académies, quelque part. Bon, il est assez intéressant de voir certaines virevoltes qu'il a fait, dont la presse n'a pas parlé, vis-à-vis des trous noirs, vis-à-vis de la matière noire, des choses dans le genre. Et si ce n'est l'autre comparaison avec Einstein, par contre, Einstein, il faut suivre Stephen Crossas, c'est en anglais, hein, je ne l'ai pas encore traduit vraiment ça. À propos d'Einstein, il le démonte, mais en petits morceaux. Par contre, on a le collègue William Tompkins qui nous dit qu'ils ont rectifié les équations d'Einstein et que maintenant elles fonctionnent. De toute façon, pour moi, Einstein, il sortait d'un petit club avec quelques autres, Bernays et tout ça, là. Et ils ont façonné le monde intellectuel, industriel. Hein, on est allé vers le nucléaire avec Einstein au lieu d'aller vers l'électromagnétique avec Tesla. Je me répète, mais Tesla et Einstein, ils n'ont jamais eu une conférence tête-à-tête. Einstein s'est toujours débiné. Ah, intéressant. Et puis, il a fini par admettre l'éther. Hein, mais bon, évidemment,
il a aussi admis Velikovsky et plein d'autres choses. Une autre création de l'univers que celle qui est dite officiellement, et ça, c'est assez gênant. Hein. Mais bon, ils y arrivent petit à petit, là, maintenant. Même le GIEC a pris les bons chiffres dans lesquels le Soleil est pour 99% du changement climatique actuel, et de toute façon, c'est cyclique. Au lieu de nous mettre des taxes sur le CO2, sur lesquelles les gens se gavent, hein, dont mais pas le peuple, je dis les gens, on pourrait dire les parasites, là. Al Gore and Co. Avec d'autres technologies, on aurait pu se préserver de la micro-nova solaire qui nous pend au nez, et puis faire plein d'autres choses, hein, de manière plus dans l'esprit permaculture, quoi. Bio, écolo, tout ça. Gratuit, équilibré. Ah, je rêve. Avant Einstein, et puis sa vie de famille. Je rentre de voir mon petit harem. Waouh. Ah oui, mais c'est sûr. De toute façon, il aimait bien les femmes. C'est ces femmes qui étaient mathématiciennes, qui lui traduisaient les travaux de Poincaré, par exemple. Hein. Mais bon, Einstein a eu un prix Nobel pour la polarisation des lasers ou des lumières, ou je ne sais plus, des cristaux. Oh, excusez-moi. Bon, moi je pense que c'est un plan. C'est un plan pour lancer de manière mondiale une orientation particulière qui nous amène aujourd'hui dans les impasses dans lesquelles nous sommes et à nous réintéresser. Ça nous amène aussi à nous réintéresser à ces vieilles disciplines style Tesla et Schauberger et Riffle, les fréquences et les résonances. Les résonances, c'est une manière d'amplifier. C'est vraiment essentiel. On prend une petite fréquence de base et on l'amplifie. Wow. Et à la fin, eh ben on peut porter un gros bloc, même si on n'est pas assez nombreux normalement. Bah parce qu'on a vu, je m'excuse pour mon encart, hein, mais on a vu les deux gars là, à l'Atra TV qui arrivent à soulever en télékinésie une bouteille qu'ils ont entre les deux, une bouteille d'eau. Mais ils disent quand on est en groupe, le poids n'a plus d'importance. Ouais, wow, ça dépoite, moi je trouve. Ah non, je sais que ce n'est pas du faux. Il faut regarder le film qui s'appelle Rencontre avec des hommes remarquables. Ça retrace un petit peu la vie de Gurdjieff, son initiation et tout ça, sa recherche justement ésotérique. Bon, attention, hein, Gurdjieff, c'est un petit peu comme Elena Blavatsky. C'était des gens qui font partie de clubs qui sélectionnent finalement. C'est pas le bon terme, mais vous allez comprendre. Si peu de gens parmi la population en général qu'on a envie de se croiser mondialement, hein, pour connaître du monde et échanger entre nous avec des gens qui comprennent ce dont on parle, avec la profondeur ou la subtilité, ou en toute humilité, hein, de ce dont on parle. Donc, ça devient souvent des agents. Mais pour moi, vous savez, dans notre société, il y a une breakaway civilization et celle-là, elle travaille aussi avec ces données-là. Donc, elle connaît ces gens. Elle prend contact avec. Elle se les affilie, peut-être que sur le chantage ou elle les enrobe. Ou de toute façon, on parle de la même chose, c'est des copains. Enfin, mentalement. Ils ont les mêmes pôles d'intérêt. Donc, ça devient des espions et après, on peut en parler d'autre chose. Mais les frontières telles qu'on les connaît, ce n'est pas les vraies frontières qui régissent la géopolitique mondiale. On est sous les emprises de clans, de groupes, d'entreprises aujourd'hui, de multinationales, qui n'ont pas de frontières. Les jésuites, ils n'ont pas de frontières, ils sont partout. Ah oui, mais vraiment partout, ils ont tout infiltré. Mais ce n'est pas les seuls, tous. C'est la survie. C'est toujours passé au milieu. Vous avez vu comment on se fait infecter par des nanomolécules. A priori, le médicament, c'est des femtomolécules. Ça existe, les femtobots. Hein, parce que pour moi, le virus, là, il est détenteur d'un truc qui se transforme sous la 5G. Il y a le côté biologique, biopathologique, la transformation avec les exosomes sous la 5G. Mais pour moi, le docteur Liber était spécialiste des nanotechnologies. Il envoie des transmetteurs dans les fibres cellulaires, dans les cellules.
qui sont capables de donner des renseignements sur les activités de la cellule sans interférer avec ses cellules, avec sa vie, si elles veulent, sans interférer. Si elles veulent, elles interfèrent. Ah ben dis donc, c'est un radar, c'est un émetteur-récepteur, machin. Enfin, c'est une sorte d'ordinateur quand même. Et ça réagit à la 5G, ça s'allume à la 5G. Je ne sais pas. Moi, je crois que ça correspond à la vision qu'avait eue quelqu'un où il voyait quelqu'un basculer un interrupteur et toute la population devenir zombie le temps que l'interrupteur n'était pas rebasculé dans l'autre sens, où elle reprenait conscience, mais sans se rappeler. Je crois que c'est une hypnose régressive de Calogero-Griffasi. Bien, reprenons, hein. On s'est beaucoup éloigné là. Donc, il s'est plaint pendant la moitié de sa vie, aussi en même temps, sur le fait qu'Einstein et les autres, là, Hawkins et... étaient trop stupides pour pouvoir expliquer à vos enfants pourquoi un objet tombe sur le sol. Encore, vous voyez le sujet sur lequel la science ne peut pas répondre, qui a été employé par pour étoffer le discours de certains platistes. Ah, tu ne sais pas expliquer ça, donc j'ai raison avec mon explication. Bon, qui n'explique pas du tout. Bah bon, il y en a plein des explications. Il ouais, bah, y a celle-là en ce moment, là, le spin. Le spin au sein d'un champ électromagnétique général qui est organisé. Et donc, voilà, on va voir. De la même manière, ils ne peuvent pas nous donner l'origine de toute force centripète, telle que la gravité, la force de vie et la conscience. Donc, c'est comme qui dirait un petit problème sur lequel il a travaillé et donc dont il nous partage ses résultats. Merci Dan Winter à propos, hein, quand même. C'est aussi un de mes piliers depuis belle lurette. Il a aussi une certaine notion de la cosmogonie avec les dragos, la reine Mag, qui est une reine dragonne aïeulable, ancestrale, cosmique. On connaît bien la tribu de Dan chez lui, là. Il fait un lien entre tout avec les lignées sanguines. Et c'est intéressant aussi, sa version des choses. Il faut qu'on parle du moment où la CIA a décidé de tuer le secrétaire d'État. Je pense qu'il va nous parler de celui qui a plongé du 25e étage ou 15e. Je veux dire Forrester. Et qu'ils admettent qu'ils avaient perdu la guerre avec les nazis, contre les nazis. Mais avec, en fait, c'est eux qui les finançaient. Bon. bon. They did. And the reason they lost the war to the Nazis, and the Nazis took over the South Pole, kicked Admiral Byrd out, and then took over. Et la raison pour laquelle ils ont perdu la guerre avec les nazis, que les nazis ont pris le pôle sud et ont foutu un coup de pied au cul à l'amiral Byrd, opération High Jump, tout ça. Aux Russes aussi. Hein. Les Russes aussi ont fait une ou deux expéditions en bas. J'ai fait une ou deux vidéos dessus. C'est eux qui le disent. Mais eux, ils ont suivi. Alors, comment ils font là-bas? Ils passent sous le pôle et ils suivent. Ils ont une chronologie, ils ont une piste chronologique. Du genre, vous allez faire 300 mètres à telle vitesse, à telle profondeur, dans telle direction. Ils sont aveugles, quoi. Et s'ils respectent ça, ça passe. S'ils ne respectent pas ça, crash, parce que c'est les tunnels engloutis. Et ils arrivent dans un endroit hein, qui est censé être une ancienne salle Draco, ou reptilienne, on va dire, je ne sais pas si c'est spécialement Draco ou pas, reptilienne, qui a été concédée aux nazis lorsqu'ils sont arrivés à la suite de leur coopération, depuis, grâce aux nanas du Vril, depuis des années. Hein, le Vril, c'est 1913-1911, ça a commencé. Enfin bon. On se perd. Reprenons. Et les nazis, après, se sont occupés de Cérès autour de Jupiter. Cérès, c'est une comment on appelle ça? Une brown planète. Pas brown. Dwarf.
une exoplanète dans notre système solaire. On en a un certain nombre. Donc, les plus grosses, on les connaît un petit peu, Makemake, Eris, Cérès, quelques autres. Pas toutes les sociétés, parce que déjà, elles ne viennent pas en tête. Et d'autre part, on s'éloigne du sujet, là. The Nazis won, sorry. Les nazis ont gagné, je suis désolé. And the reason they won, and I'm... Alors, vous, encore, vous pouvez aussi regarder Jim Mars, qui a fait des vidéos qui ont été traduites par... C'est pas grave. Si, ça reviendra. Merci à lui, en tout cas. Qui s'appelle le quatrième Reich aux États-Unis. I'm upset about this. It's because people do not understand exactly what I'm going to tell you right now. Bon. So, here's the physics. The physics was... I'm going to find my donut. Oh, here's my donut. Il va nous montrer de quelle manière tout ça s'organise... Parce qu'il est important que les gens comprennent ce qu'il est en train de nous expliquer, parce que tout ça a un rapport. Je ne sais pas si ça concerne aussi l'énergie vrille, hein, peut-être. Hein? The physics was that the Nazis had this Lady Maria Orsic. Alors, l'idée, c'est que les nazis avaient Maria Orsic, cette blonde aux cheveux longs. How he used a mercury vortex previously. Qui savait utiliser un vortex de mercure, dont les Imana se servaient à l'époque, et qui ont servi aux nazis pour construire les Hanebo. Et ce vortex de mercure avait une forme juste telle que celle-ci, parfois appelée la flamme, je ne sais pas quoi, pardon. Et la raison pour laquelle ce vortex de mercure crée la gravité, is the answer to this whole problem. Et la réponse à tout ce problème. That your physics teacher cannot explain to your child. Et la raison pour laquelle ces vos physiciens ne savent pas expliquer aux enfants pourquoi la gravité. The reason your physics teacher cannot explain is because they don't understand this. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ça. Mais Schauberger comprenait très bien ça. Absolument. J'adore le travail de Schauberger, son attitude. Enfin, on adore que les idoles et les idoles, méfiez-vous, on n'est pas, il ne faut pas. Mais, if you initiate, for example, piezoelectric water in this world, adore, ça doit vouloir dire adré, vous voyez, latinisation d'un terme égyptien, d'une attitude égyptienne. Et on a défini qui c'était rare et machin, hein. Psychopathe, celui-là, alors, oh! Il fait intervenir Sekhmet à tort pour châtier les rébellions humaines. C'est la brave, quoi. C'est pire, c'est bien pire. Donc, l'eau, ou dans le cas des nazis, les Vimana nazis, les Hanobu, ou par l'utilisation de mercure rouge, so that you had both the inertial density of the... de manière à avoir non seulement la densité d'inertie, pour l'inertie, the mercury liquid hydrodynamically making gravity combined with... provoqué par le mercure, mais en même temps, the inertia of the magnetic flux density... oh là là, je vais reprendre. Je me suis perdu un peu là. Liquid, so that you had both the inertial density of the mercury liquid. De manière à avoir en même temps l'inertie liquide du mercure. Dynamically making gravity combined with the. Et de pouvoir créer la gravité combinée. The inertia of the magnetic flux density. Avec l'inertie du flux magnétique. Enabled by the doped mercury iron powder. Il faut savoir que le mercure rouge, là, c'est comme un ferrofluide, il est aimantable. Donc quand vous mettez un courant électrique, il se met en rotation. Et comme il est fluide, il va pouvoir créer des vortex à l'intérieur. Et le tout fait déjà aussi un vortex. Et donc, vous avez le support physique, le mercure liquide, à des phénomènes électromagnétiques alentour qui, eux, là, sont le but recherché. En fait. That vortex is going down this spiral and it's gaining. Donc, ce vortex, descend dans la spirale. Il a dessiné, hein, c'est l'escargot, là. Speed as it, et il gagne de la vitesse it moves towards center.
alors qu'il se déplace vers l'intérieur. Et au niveau géométrie physique, distance, chacun des points est en fait un phi de l'un de l'autre. C'est le respect de la compression de charge là, qui se crée à ce moment-là. And the name for the fifth, je dis ça en encart, hein, c'est ce que j'avais compris, hein, il me semble. Of that weight of charge that gains speed as it moves towards center because of the vortex. Et donc, la physique de cette onde de charge qui gagne de la vitesse en se dirigeant vers le centre du vortex, du donut, du torus, qui s'exprime sous le ratio du nombre d'or. Là, on va peut-être le remettre en vitesse normale parce que c'est un de ces tiroirs dans lesquels, en plus, il s'étouffe la voix et bon, on n'entend plus rien. Allez, hop, reprends. Parce que le vortex est parfait. Alors, en quart, je ne sais pas si vous imaginez, dans les bonnes dimensions, avec les bonnes proportions, créer une coil de Tesla, une bobine de Tesla. Et vous mixez ça avec les mathématiques de Rodin. Rodin's coil, d'ailleurs, lui aussi a fait une coil. Et il y a certains angles et certains... Enfin, en fait, les proportions de l'hexagone sont bonnes. Elles ont un certain effet, on va dire. D'autres proportions ont sûrement d'autres effets. Je viens d'avoir l'idée, quoi. Là, je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est eux. Hein. Mais enfin, c'est le moment où je comprends. Possiblement un truc. Bon, on reprend. Which turns compression into acceleration. Donc il y a un changement de la compression qui se transforme en accélération. Towards center, named the gravity. Et c'est ça qu'on appelle la gravité. So, the cause of gravity is fractality. Donc la cause de la gravité, c'est la fractalité, le côté fractal des choses. Most physicists already figured that out. They just don't know what a fractal field is, so they don't know that. Mais comme la majorité des physiciens ne savent pas ce que c'est que le champ fractal. Ce qui n'est pas le cas de Nassim Haramein, par exemple, hein, qui fait des chouettes conférences en ce moment-là. Ben, écoutez, il y a aussi une deuxième version de Shrive, mais le premier Shrive, on l'a vu, il y a piouf. Et il s'est rien fait depuis. Ben si, il s'est fait des trucs, mais ça n'a pas empêché le reste. Personne n'est quasiment au courant. Et on est dans une situation aujourd'hui où ils peuvent couper leurs expériences s'ils veulent, leur piquer leur matos, leur laboratoire, comme ils ont fait avec Tesla, comme ils ont fait avec l'effet Hutchinson. John Hutchinson. Ben, lui, il a fait des expériences avec différentes fréquences et il a réussi à faire en sorte que des métaux s'interpénètrent, des métaux différents s'interpénètrent. Voilà, il faut le genre, même une cuillère en bois, vous la trouvez à travers l'inox. Ben, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un autre effet qu'on a vu sur quelques bouts de ferraille des tours du 11 septembre. Onde de torsion, et voilà, moi je vous dis, moi je mets tout dans le 11 septembre. Hein. Les explosifs, les thermites. Une mini-bombe nucléaire en sol et les ondes de torsion du dessus et de côté aussi. Il y a du dessus, je pense, mais aussi de côté parce qu'il y a toute une lignée de voitures qui ont incompréhensiblement brûlé, mais brûlé de manière bizarre, vous savez. Brûlé comme on trouve les voitures brûlées dans les incendies en Californie et ailleurs, en Sibérie aussi. Comme quoi, le club, là, soit Poutine, il n'est pas clair, soit il n'a pas la maîtrise, et les clubs, ils n'ont pas la frontière, et quand ils ont, eux, la maîtrise du satellite qui est nanti de l'arme en question, hein, une DEW, hein, Direct Energy Weapon, arme énergie dirigée, quand ils l'ont, bah, maintenant que tu l'as, tu en as utilité pendant tant de temps, quoi. Et les gars, ils vont régler leur compte partout sur la planète, sans tenir compte des frontières, hein.
Bon, élucubration personnelle. Hein. Mais toujours est-il que lorsque vous comprendrez que cette inertie de la charge qui gagne en se dirigeant vers le centre du donut, toward the center, whether it's a water vortex or, que ce soit un vortex d'eau Mercury vortex, ou de mercure, or a Nazi bell or a Vimana, ou la cloche nazie ou un Vimana, then you don't have to let the Nazis win the war. Alors, après, vous n'êtes plus obligé de laisser les nazis gagner la guerre. Hello? Hello? Because you know why these devices make? Tu fais la guerre et tu restes au niveau du lance-terre? Non, mais vous savez, les nazis, et par rapport au SSP par la suite, c'est Black Sun, c'est la partie Black Sun, me semble-t-il, moi. Ouais, je pense. Do you know how gravity is made? And now that... De toute façon, les super-soldats, quand ils nous parlent de leur période en service en super-soldats, ils nous décrivent un système hyper-fasciste, eugéniste, fasciste, enfin de leur côté, quand ils sont chez les nazis en tout cas. C'est la totale grave, quoi. Hein? C'est la totale grave. Et ça, c'est dû à l'arrivée des archons qui a pris possession des reptos qui sont nantis de nanotechnologie, qui sont arrivés, qui sont introduits sur Terre, qui ont parasité notre civilisation, notre évolution, sont fait passer pour des déités, induisant et perpétuant les conflits qu'ils avaient entre eux et réalisant ce que Don Juan décrit comme étant le moment où ils nous ont, enfin, le fait de nous avoir donné leur état d'esprit. C'est comme ça qu'ils sont en guerre avec nous, c'est que finalement, ils nous ont infectés au lieu de nous combattre directement. Et maintenant, en fait, ils récoltent juste le bénéfice de nos actions en tant que proxy et de lutte interne. Donc, la réalisation de concepts intellectuels, subtils, soi-disant New Age, mais pas du tout, c'est la philosophie très profonde, cosmique, galactique. Le fait donc de réaliser notre unité cosmique, le fait d'émettre ceci, de vibrer à ce niveau de fréquence, c'est essentiel, c'est nécessaire et c'est essentiel. C'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'on va croiser les autres entités, hein, pour ceux que ça intéresse de croiser les E.T. Bienveillants. Happens to be the physics, that particular shape is called the flame letter, it's the golden... Donc, il appelle ça la lettre volante, ou la balance volante. C'est le terme pour définir la géométrie. In spiral superposed on the... Cette géométrie qui est créée par les différentes spirales superposées. Vous voyez là, lorsqu'il fait pivoter, ça décrit le chemin, finalement, de la compression de charge longitudinale, le moment où elle devient longitudinale, du transverse au longitudinal. Et c'est aussi... ah oui, ça nous rappelle le concept initiateur originel pour la création de l'ancien alphabet hébreu qui correspond à des projections de l'ombre de chacun de cette forme, ces différentes vues de cette forme au cours de son développement et dans l'espace. Doesn't Nassim talk about this as far as gravity being one aspect of electromagnetism being the way out of the Torah? Yeah, but we're a lot more specific. We actually wrote the equation for hydrogen to prove that hydrogen fractality based on golden ratio from hydrogen radii. Il a fait une comparaison. Il a établi une équation pour l'hydrogène qui respecte justement cette fractalité. Again, the pictures are coming. Jusqu'à la dimension de Planck. The la dimension de Planck, c'est la plus petite dimension qu'on puisse imaginer. En dessous, c'est pas possible d'aller en dessous. C'est 10 puissance, oulala, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Moins 54, je ne m'en rappelle plus. Oh, c'est terrible.
done through the speed of mètre, 10 puissance moins 1, c'est tout petit. Mais Nassim Haramein part de cette dimension-là pour arriver aux dimensions des galaxies, et le ratio des différentes créations de choses est toujours le même. Et lui, il est tombé juste avec sa méthode, tandis que la science était à 5% de distance de l'estimation plausible, et avec des vérifications qui prouvaient que Nassim avait raison. Et voilà, c'est très intéressant. On reprend. C'est soulageant d'imaginer qu'on va partir au moment où enfin on a trouvé la solution. Oh, on n'est pas parti là encore. Ça va hein? Non, mais calme-toi. Donc, le point, c'est l'endroit où justement il y a cette transformation en ondes longitudinales. Alors, il nous sort un bouquin de Bearden, Tom Bearden, la gravitobiologie. Gravity waves, get the book. Tom Bearden, he wrote the book, Gravitobiology, the equations are there, it's very clear, Maxwell started on it, Tom Bearden finished it. I'm just doing the crude little intro here. The point is that once you know why that spiral makes gravity, then, and this is the climax phrase. Alors, si on veut savoir à quel moment est-ce que la spirale crée la gravité, s'il a dit ça. I'm just doing the crude little intro here. The point is that once you know why that spiral makes gravity, then, and this is the climax phrase of a 10-minute intro, and then we get pictures, then you know what ascension is. Because à partir du moment où vous possédez cette notion-là, vous comprenez ce que c'est que l'ascension. When you see that those radii of hydrogen, which I proved are golden ratio fractal. Lorsque vous voyez que... Oh, désolé, je vais redescendre et revenir. 10-minute intro, and then we get pictures. Ah. Then you know what ascension is. Because when... Donc, à partir du moment où vous comprenez comment la gravité se crée lors de ce passage des ondes transversales en longitudinale. Ce qui se produit lorsque la compression de charge suit son chemin allant vers l'intérieur du donut, gagnant ainsi de la vitesse de manière proportionnelle, dépassant la vitesse de la lumière. D'ailleurs, that those radii of hydrogen, which are, lorsque vous voyez que ce radius, ces radius de l'hydrogène, I proved our golden ratio fractal, qu'il a prouvé par la fractale du nombre d'or, are the squirt gun at the center of every sont ladder rung codon of DNA's. Sont, je crois que j'ai compris que c'était finalement la base de tous les codons de l'ADN. Recursively braided in plot, qui sont de manière récursive tressés les uns sur les autres dans les autres. In helix, en hélice. The squirt gun gets more broad spectral in space. Comment vous expliquez ça? Vous savez, lorsqu'on tournait des ficelles pour la doubler et la rendre plus forte, plus costaud, eh bien, il y a un moment où vous tournez un fil et puis il finit par créer des petites boucles qui elles-mêmes se retorsadent. Voilà, ça c'est l'ADN, voyez. Et à la fin, on va imaginer que le gros Bouddha, ben encore, il fait des torsades sur lui-même. Voilà, donc c'est l'idée qui est développée là. C'est cette imbrication récursive de spirales d'ADN. Et leur propagation jusqu'à l'état longitudinal se fait à l'endroit où s'interfèrent deux énormes cône d'interférence. Parce que le plus longues sont les ondes impliquées. Et c'est ce qui se passe lorsque votre ADN implose ses tressages, on va dire. Human bliss. Ses torsions sur elle-même. C'est le moment de l'extase humaine. Required for successful death, for example. Qui est nécessaire pour une mort succès, avec succès. Example. Par exemple. Then, en quart, cette extase, ce bliss humain, là, nécessaire pour l'extase, c'est le moment où vous arrivez à créer un petit frisson comme ça, qui se décharge le long de votre colonne un petit peu, si on peut dire. En tout cas, musculairement, une décharge de contraction musculaire.
C'est le moment. Pour être plus concret, mais il faut un appareil de biofeedback. C'est le moment où vous êtes en cohérence cardiaque. C'est le moment où vous émettez en onde alpha avec les deux hémisphères qui émettent chacune une onde qui sont proportionnelles par phi, l'une par rapport à l'autre. C'est donc le moment où le corps calleux central s'efface. Soit il s'efface, soit il fait bien son boulot, et c'est là que ça se passe bien, parce que c'est autour de lui à peu près que se situe la pinéale, et que bien sûr ça concerne la pinéale, bien sûr, bien sûr. On y viendra peut-être plus tard, mais quelle est la forme de cette pinéale si elle n'est justement tronconique comme les deux cônes d'interférence dont ils viennent parler? Healing of Kundalini, right? Because you're like, est-ce que c'est un rapport avec le soin par la Kundalini? That's exactly where we're going, precisely. C'est précisément ça. And we have all the physics, we have the spectral analysis of the phone. Et on a toute la physique derrière, on a les analyses spectrales. Photon waves of the sacrocranial. Des ondes. Pump, which is the physics of Kundalini. De la pompe sacro-crânienne. C'est-à-dire, c'est toute l'enveloppe du liquide céphalo-rachidien au sein duquel on trouve le cerveau et la moelle épinière. Hein, vous savez, quand vous faites une ponction lombaire là, c'est le même liquide que celui dans lequel baigne votre cerveau. Hein. Ouais. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'y accéder. Alors, lorsqu'on risque d'y accéder en brisant ou en perforant ou en infectant la lame criblée par le biais de tests intrusifs qui n'ont rien à foutre là, puisqu'on est au milieu d'une élucubration illogique, complètement folle, affligeante, pour excuser une attitude et des mesures coercitives nous dirigeant vers l'agenda 21, l'agenda 2030, la militarisation de toute vie par la NASA. Skynet, via Starlink et via Elon Musk. Je fais du rap. Ouais, c'est émoussé, mon rap. C'est plein de mousse. Bon, allez. On en était où? Ouais, à ces fausses excuses qu'ils nous donnent de façon à expliquer leurs actes, qui sont tout à fait différentes. Ils font de la dissonance cognitive forcée sur le peuple. Hallucinant. Reprenons. Non, mais c'est une attaque en règle. Hein. On a droit à la légitime défense. C'est marqué dans tous les textes de loi. Il est un devoir au peuple de se rebeller lorsque l'État dépasse ses prérogatives pour en venir à des attitudes fascistes, enfin pas fascistes, autoritaires, enfin, totales. The Grey State, quoi. Il faut agir un peu avant The Grey State. Mais les gens sont sous hypnose par différents moyens, hein. Contrôle mental, nanotechnologie, ambiance, croyance, manipulation complète du paysage dans lequel ils se croient y vivre. Enfin, une bonne totale. On le sait, et bon, on travaille contre. Hein. Mais c'est juste, de temps en temps, il y a peut-être des gens qui débarquent et leur donner les bases sur lesquelles je réfléchis pour décrire tout ça. Je pense que c'est la moindre des choses. Bon, ça nous rappelle tout ça. C'est un encart, quoi. Allez. Donc, ils ont les données physiologiques de la pompe sacro-crâniale, ce qui correspond à la physique de la Kundalini. Oh là 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 là. Je n'ai pas bien compris, mais toujours est-il que si la pompe, elle n'est pas bien propre, là, vous allez être déprimé. But you see why that is ascension, because then your body has compressed, imploded. On peut parler d'ascension parce que c'est le moment où votre implosion de compression du corps necessary, coherent, longitudinal propagation, qui se propage de manière nécessaire, de manière cohérente et longitudinale,
You have ascended already, you know? Vous êtes en ascension, vous êtes, ça y est. Like those damn Pleiadians who are bragging, we're five. C'est la manière dont les Pléiadiens nous le disent. And you humans are never gonna be. Well, they... Ou, ben pardon. Ah, je crois que j'ai fait un faux sens, là. C'est justement la manière dont ces fichus Pléiadiens tâchent de faire en sorte que nous n'arrivions jamais. On va réécouter ça, parce que ça, c'est du peu... Ça va pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Ça dépend les Pléiadiens, c'est grand les Pléiades. Eh oui, oui, bien sûr. Exploded the necessary coherent longitudinal propagation. You have ascended already, you know, like. Donc, si vous comprenez ce phénomène, vous êtes en ascension. Those damn Pleiadians who are bragging, we're 5D and you humans are never going to be. Oui, il s'applique à faire en sorte que les nouveaux humains n'arriveront jamais. Well, they didn't want to tell you what the physics are. Ils ne voulaient pas qu'on apprenne quelles étaient les réalités physiques de ce phénomène. And I am telling you right now, et je suis en train de vous dire maintenant what the physics of ascension, ce que c'est que cette physique de l'ascension. And then how to become 5D is. Et de quelle manière parvenir à être en 5D. Donc vous avez fait mention du cône de pin. Pine cone, which is a... pine cone. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous montre une pigne de pain. Eh bien, c'est ça. Enfin, bon, c'est ça quand elle est fermée, surtout. L'angle n'est pas tout à fait le même quand elle est fermée. Et vous savez qu'il y a une distribution aussi en diagonale croisée. Avec un nombre de points sur chacune des diagonales qui correspond à deux éléments de la suite de Fibonacci successifs, il me semble. C'est assez... sympa. Et Dan nous partage son écran. Alors, Dan Winter, il y en a qui lui ont fait une réputation d'escroc. En fait, c'est parce que les États ne veulent pas vraiment qu'il développe toutes ces pratiques. Il booste l'eau, il fait des... Enfin, voilà, les recherches qu'il fait et qui améliorent la vie ne sont évidemment pas dans les plans prévus de ceux que certains pensent encore qu'ils ont été élus parce qu'ils ont le bonheur du peuple à cœur. Non, ce n'est pas le cas. En général, c'est les gens les plus corrompus qui ont pu être sélectionnés, etc. Enfin, en général. Bien. Et Dan Winter, donc, vend des dispositifs divers à un certain prix. Hein. Mais il donne énormément de choses aussi. Il a aussi fait un bouquin qu'il vend, qui n'est pas très facile à acheter. Moi, j'ai trouvé. D'ailleurs, je ne suis pas arrivé. Mais bon, ça date d'il y a quelques années. Je n'avais pas tellement bien navigué entre les différentes pages de sites et tout ça. Peut-être que je me suis trompé. Et que c'est beaucoup plus facile qu'il n'en paraît. Alors, c'est son site qui s'appelle fractalfield.com. Alors, qui va répondre à de multiples questions, telles que qu'est-ce que c'est la fractalité, le nombre d'or, la conjugaison de phases, la gravité, qu'est-ce qu'un trou noir en quart. Je suis de la... partisan de dire que ça n'existe pas le trou noir hein, dans la physique. Hein, le trou noir, c'est le passage vers une... C'est un passage vers la dimension, une dimension d'à côté, un trou noir. Que là, a priori, on apprend à créer, mais c'est pas physiquement représentable quelque part. Qu'est-ce que la négantropie? Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est la manière d'augmenter les capacités de vie. La conscience, l'esprit, et comment réussir une naissance et une mort, enfin une mort et donc une naissance. PS, qu'est-ce qui prouve que la propagation des fréquences électromagnétiques longitudinales est la gravité, est les ondes gravitationnelles, et est l'inconscient collectif, l'inconscient collectif. Et le moyen de faire des rêves lucides et la communication
la communion avec les saints ou la communication avec les ancêtres, je pense. Il y a une réponse, la solution implosive au problème de la compression de charge et ainsi de la distribution des charges. Bien, voyons où on va après. Nous avons une centaine de sites web. Là, je vous ai dit qu'il en a répondu sans arrêt. Mais ils commencent tous par fractalfield.com. Tous les physiciens acquiescent avec le fait que la gravité, ça concerne le champ de force fractale, mais pas un des physiciens. And I happen to have answered that question. Fractalfield.com. And what is a fractal field? That's what this is. Bon, je reprends. Hein. Donc, qu'est-ce qu'un champ fractal? It's about every physicist agrees fractality causes gravity. Tous les physiciens sont d'accord avec le fait que la fractalité cause la gravité. But not one physicist has asked what's a fractal electrical field. Mais pas un de ces physiciens n'a posé la question de savoir ce que c'était que le champ électrique fractal. And I happen to have answered that question. Et moi, je me suis attelé à répondre à cette question. Which is a Planck times integer exponent ratio. Et je suis à vitesse normale, là. Hein. Vous avez compris quelque chose de ce qu'ils viennent de dire? Oh là 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 là. Allez, hop, on va le reprendre. Gravity causes gravity, but not one physicist has asked what's a fractal electrical field, and I happen to have answered that question, which is a Planck times integer exponent Boolean ratio. C'est le ratio d'expansion de la distance du temps de Planck. Hey. So, golden ratio. Ouais. Bon appétit. Conjugation of phases, which is. Donc, le nombre d'or, le ratio d'or. Times integer exponent golden ratio. So, golden ratio, which is called phase conjugation, the conjugation of phases. Qui est appelée la conjugaison de phase. Is a cause of gravity and therefore black hole. Et la cause des gravités, donc des trous noirs. And the origin of negentropy. Et l'origine de la négentropie, l'énergie du point zéro. That's the title of my book, The Origin of Biological. Ah, et c'est le titre de son livre. Negentropy. We might even have it. Let me slow you down for one. Qui est, c'est justement l'origine de la négentropie, je crois. Is the cause of gravity and therefore black holes and the origin of negentropy. And that's the title of my book, The Origin of Biological Negentropy. L'origine de la négentropie biologique. We might even have it. Let me slow you down for... Et je vous le dis tout de suite, hein. Spoiler, c'est l'implosion. One second, Dan, I'm just trying to... Golden ratio means five. C'est l'anti-Hulk. I ratio, which is the weight... Qu'est-ce qu'il nous dit, Alan? Look, my butch book, The Origin of Biology. Donc, le ratio d'or, c'est le ratio de phi. C'est le ratio de propagation de la vie. Alors, il nous a sorti le nombre d'or, mais à 8 décimales. Et il nous dit que c'est le seul moyen que les ondes harmoniques puissent... Oh, je vais trop vite. Well, golden ratio 0.618, 1.618, 2.618 is the only possible infinite harmonic series in which. C'est la seule série harmonique possible. You can both add and multiply each. Qui puisse à la fois additionner et multiplier. Two numbers together. Deux nombres ensemble. That infinite perfected recursion generates. Et provoquer ainsi cette récursion parfaite. It's the only possible three-dimensional fractal. Qui est aussi uniquement possible dans la trois dimensions, la tridimension fractale. See the animation of that in the Grail animation we have, and that also generates. Qui est l'animation du Grail. Right, le Grail, le sacré Graal. C'est le point d'extase, ce point harmonique de... de cohérence cardiaque. In effect, it's the XYZ coordinate of every vertex. C'est les coordonnées X, Y, Z de tout vortex. And this array is simple harmonic of multiple golden ratio. And you ratchet that, you have a full three-dimensional model of DNA. Et à la suite de ça, vous avez un modèle tridimensionnel complet
de l'explication de l'implosion, de l'extase. So yeah, it's Earth grid DNA. Et a multiple golden ratio, and you ratchet that, and you have a full three-dimensional model of DNA braiding and implosion and bliss. So yeah, it's Earth. Et de l'intégration de l'ADN, enfin, de son enroulement. Earth grid DNA zodiac, and I. Et vous avez tout. La grille de naissance, le zodiac. This first one to prove it is literally the structure of hydrogen, three-dimensional model of DNA braiding and implosion and bliss. So yeah, it's Earth grid DNA. So c'est donc la grille terrestre, l'ADN. Yeah, and I was first one to prove it is literally the structure of hydrogen, which. Et c'est aussi la structure de l'hydrogène. We sell this kit as a model for the physics. Donc on vous sort ce kit comme modèle pour la physique. Of the radii of hydrogen, since. Pour le radius de l'hydrogène. I invented the new equation to prove that. Et depuis que j'ai inventé ça, de nouvelles équations l'ont prouvé. Depuis qu'il a inventé les nouvelles équations pour le prouver. Okay. So, inventé dans le sens de découvrir. Oui, encore. C'est bizarre, hein? Moi, j'ai toujours trouvé bizarre les inventeurs. On appelle ça une découverte, c'est une invention. Je pense que ça peut nous amener vers une étude un peu plus approfondie du code justinien et de tout ce latin de cuisine qui sert aux lois et aux règles auxquelles sont soumises l'homme de paille, selon la loi maritime, Patel Couffin, loi maritime, qui est donc neptunienne, ou enfin, c'est Enki, quoi. Et oui, et on retombe encore là-dessus, quoi. C'est intéressant, non? Surtout qu'ils sont tous dans un culte saturnien, représenté par le cube et les tenues noires de la justice, ou dans les académies américaines, leurs chapeaux carrés. Enfin bon, ça fait partie d'une certaine matrice, tout ça, hein, ça c'est clair. En général, donc, c'est la géométrie de la fractalité qui permet la compression, donc l'implosion parfaite. For perfected negentropy. La parfaite négentropie. And that's how you squeeze down that pine cone. So, et c'est cette manière dont vous squeezez en allant vers l'intérieur du pine cone. Alors squeezez, ça doit avoir un équivalent en français, le mot squeezer normalement. Parce que c'est dans l'esprit de presser, tordre, rapetisser, diminuer. Vous savez, c'est dommage, ben, peut-être qu'il va nous le faire. Il y a certains cubes que vous pouvez justement faire pivoter sur eux-mêmes comme ça. C'est des jeux, des mobiles, là. Tac, vous pouvez les faire pivoter. D'ailleurs, vous pouvez même les rentrer et leur faire prendre de nombreuses formes de ces solides platoniciens, platoniques, les solides de Platon, quoi. C'est l'amour solide, l'amour platonique. N'importe quoi. C'est normal, c'est le matin, j'ai 15 ans. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'il nous a dit là pendant les 10 premières minutes. Et spécialement, c'est parce que Einstein et vos professeurs de physique, Stephen Hawking, la NASA, ne pouvaient pas apprendre à vos enfants pourquoi est-ce qu'un objet tombe sur le sol. La raison est que votre enfant ne connaît pas la manière dont toute chose peut devenir centripète et s'auto-organiser. Votre enfant ne connaît pas comment est-ce qu'un nuage plasmatique peut devenir angélique ou un esprit. Il ne comprend pas non plus le fait que l'univers n'est pas condamné à l'entropie et donc à sa destruction obligatoire, au désordre. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'enlèvement, la rapture, l'ascension existent. Selon la physique de l'implosion lors de la naissance et de la mort, par exemple. C'est quand même ballot que je ne trouve pas un nom pour exprimer rapidement successful. C'est dingue. C'est le reflet de toute ma vie. Jamais de succès. Oh, la gueule qu'il a fait, l'autre dans le fond, là. Allez, fais-nous un petit café, s'il te plaît. Allez, on reprend.
Alors, et la raison pour laquelle votre enfant ne comprend jamais pourquoi est-ce que la compression fractale parfaite et donc conjuguée est la seule cause de la gravité, de la négantropie et de du fait d'être soutenu, comment dire ça, la survie. L'autarcie, quelque part. Alors, pourquoi est-ce que le vent d'ion négatif, donc un plasma froid, peut créer la propulsion et la guérison? C'est les ions négatifs qui sont bénéfiques. C'est en ions négatifs que sont chargés l'eau et l'air dans les canaux sous le labyrinthe de la pyramide de Bosnie, par exemple, mais je pense aussi sous celui de la pyramide de Gizeh. Alors, parce qu'eux, ils refusent d'admettre qu'il y a, dessous, il y a une ville. Il y a une ville. Vous comprenez, si on admet que les humains y construisaient comme des renkuyu, des villes sous 17 étages, 17 niveaux, voire 40, je ne sais plus. Et même si vous allez en Inde aussi, il y a des temples comme ça avec des tubulures creuses qui descendent incroyablement profondément et on ne sait pas qui a pu creuser ça, comment ils ont pu creuser ça. On se demande s'il n'y a pas des petits bonhommes aussi qui pouvaient creuser. Pour vous dire. S'il nous laisse admettre ça, après ils vont être obligés d'admettre la zone 51, Dulce, avec des niveaux, les dames et tout ça. Ouais, je plaisante un peu. Bon, donc, et la raison pour laquelle votre enfant ne comprendra pas pourquoi est-ce que le passage de 4D en 5D, qui est la dimension suivante physique, et le renversement du temps, deux hypothèses, et les portails des Stargate ne sont en fait uniquement possibles lorsque la rotation des charges se superpose via le ratio du nombre d'or. Donc, virez-les et cessez de les laisser, ne les laissez pas apprendre quoi que ce soit à vos enfants jusqu'à qu'ils sachent, eux-mêmes, les professeurs. Oh, désolé pour cette traduction pénible, pénible, mais enfin bon. Surtout qu'on a répété tout ce qu'on vient de dire. Mais sans trop d'encart, quoique. Il nous explique, si j'ai bien compris, qu'en fait, la conscience intervient à partir du moment où vous mettez justement toutes vos charges électriques en conjugaison de phase. Alors maintenant, ma question à moi, c'est quelle charge électrique? Mais l'idée est intéressante, là, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Je me demande même si on ne peut pas remonter à l'instant de la création première. Là, en faisant ça, le moment où l'entité, la source, décide de se reproduire, de prendre conscience d'elle et de se rendre compte que c'est le moyen de pouvoir faire un dialogue, il vaut mieux être deux. Et comme elle est tout à l'origine, il n'y a rien d'autre, elle n'est pas deux. Donc, elle auto-induit une vésicule à l'intérieur d'elle-même qui est une fractale d'elle-même et dans laquelle elle peut prendre conscience d'elle. Un truc dans le genre. Et comment est-ce qu'elle a induit ça? Si ça se trouve, elle nous a fait un anneau de Möbius. Si ça se trouve. Et en même temps, ça fait une descente de dimension. On descend d'une dimension. Enfin, d'une dimension. Peut-être plus. Enfin bon, reprenons, parce que je suis encore parti à discuter tout seul avec vous.
Et on est 3333, peut-être. Ah oui. Hein. Je sais pas, deux tiers. C'est rigolo. Bon, allez-y. Il y a l'importance du nombre d'axes pour la symétrie du spin des charges. Et ces axes doivent se superposer de manière cohérente. La seule définition de combien est-ce que de dimensions vous êtes dedans, excusez, se voit dans le nombre d'harmoniques du spectre de puissance de votre EKG électro K. EKG, électrocardiogramme, je suppose. Which is the only real medical way to measure your immune health. Is that... Qui est le seul moyen médical de mesurer votre immunité, votre santé immunitaire. And harmonic inclusiveness in your heart. C'est cette possibilité d'inclusivité d'harmonique dans votre cœur. Which is fractal heart is healthier. Alors, je n'ai pas fini la traduction de la phrase, mais bon, on est perdu. Enfin, moi, je suis perdu. Alors, de toute façon, il se répète, il va le répéter. Puis, il a déjà dit. Alors, il nous dit là, l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Un, une boule de lumière. Deux, un enfant qui traverse la voie de manière non sûre. Réponse, parlez-lui. Demandez-lui quoi. Ben, des boules de lumière, moi j'en vois trois déjà, quoi, au cas où. Et je pense que c'est plutôt le reflet des branches derrière qui nous font penser à une forme de corps. Mais là, y compris avec le halo, moi, je vois bien trois boules. Hein, c'est ça. Hein. Une, deux, la petite derrière, quoi, et la troisième, un peu en avant, en bas. Donc, je n'ai pas encore bien compris l'idée, là. Hein. Il va peut-être traduire, mais Alan nous pose une question. That's a negative way of saying life, which is fractal heart is healthier. Do you think science will ever create a term that besides negative entropy that... Est-ce que vous pensez que la science va enfin créer un domaine de pensée à côté de cette idée péjorative d'entropie? That's such a negative way of saying life, isn't it? Qui ressemble à une mauvaise façon de penser la vie. Well, I like that. I agree with your attitude. I think that's a very constructive point you just made. It is life. Negentropy means... Dan acquiesce à la façon dont Alan a formulé la chose. Self-organization. So, in physics, you know, il dit que c'est une belle manière de caractériser l'auto-organisation. The first time negentropy or self-organization was, c'est la première fois que la négentropie ou l'auto-organisation measured was when they phase conjugated up. Ont été mesurées, c'est lorsque leur conjugaison de phase. And the lasers had to... Oh, puis je finis par ces mots, alors là. ...an angstrom perfect cube, and in the center there's a phase conjugate mirror. Optics, you know, the first time negentropy or self-organization was measured was when they phase conjugated optics. And the laser... Ah, avec des optiques qui étaient en conjugaison de phase, deux lasers qui arrivent et qui se confrontent l'un par rapport à l'autre, selon des angles qui sont basés sur les dimensions d'un cube, aux arêtes... à la dimension de phi, et les deux lasers arrivent à se croiser, et à leur croisement, c'est justement l'interpénétration de deux cubes, de deux cônes comme ceci. Et à cet endroit-là, au moment où l'entrecroisement est une proportion de la distance de Planck, ah, là, c'est l'instant magique, quoi, et le point magique. Si j'ai bien compris. Just had to meet in an angstrom perfect cube, and in the center there's a phase conjugate mirror, which is a key to how the reflective surface worked.
le fait que le miroir soit aussi en conjugaison de phase est la clé pour réussir. In Nostradamus's scrying cup, and lasers had to meet in an angstrom-perfect cube, and in the center there's a phase conjugate mirror, which is a key to how the reflective surface worked. Pour que les surfaces réflectives puissent fonctionner. In Nostradamus's scrying cup and John Dee's. Dans les scrying de Nostradamus et les prédictions de John Dee, ou pas prédictions, mais les pratiques de John Dee. Oui, oui, le John Dee dont je vous disais. Tant de choses avec son intervention avec la reine Elisabeth sur l'évolution des sciences. Et communication with angels, it's all about. Lors de ses John Dee, donc, lors de ses communications avec les anges, les archons, or the obsidian mirrors in which, par le biais de son miroir d'obsidienne, Olmec communicated with them, qui était aussi le moyen par lequel les Olmec communiquaient. It's all about phase conjugate mirrors. And the key is the. Donc, tout autour du même principe, on va dire. Super high dielectric constant of a barium, lithium, barium titanate, which is the. Alors, un mélange de lithium et de barium hyper concentré. Phase conjugate. Bon, on s'en fout, de toute façon. Basically, dodeca implosion. Ah, pour les archéologues du futur, bon, qu'on dise, ouais, bon. Alors. It's all about phase conjugate mirrors. And the key is the super high dielectric constant. Et la clé est donc la concentration super haute diélectrique du barium lithium. Barium titanate, which is. Je ne sais pas s'il met du titane avec. The phase conjugate mirror, basically. Qui, pour la création de ce miroir à phase conjuguée. Dodeca implosion. Oui, vous savez, un miroir, c'est des nanocouches de métaux derrière un verre particulier. Enfin, si en plus vous travaillez la cristallinité du verre, je pense que ça va pas. Voilà. Et donc, a priori, les miroirs des magiciens, ça pouvait être un cristal. Mais ça pouvait aussi être une plaque de métal, noire d'ailleurs, noircie. Noircie avec des nanocouches différentes de différentes choses. Et on est toujours dans les mêmes idées, quoi, quelque part. Multiples interactions de nanocouches. Ils font aussi ça pour les protections spatiales, ils font ça même pour le Kevlar, il me semble. Bon, reprenons. It's a charge permission. Mais en tout cas, l'objet issu d'un crash d'OVNI récupéré par Linda Moulton-Love, qui a de drôles de concepts des fois, vraiment, elle. Hein. Là, elle parle de réduction de la population comme si c'était une bonne chose, enfin, une totale. Hein. Vraiment, elle n'est pas bien. Hein. Ou elle est bizarre, ou elle n'est pas bien. Bon, ce n'est pas le sujet. Sa pièce de métal qui est faite de nanocouches de. Manganèse, zinc et barium, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. On s'en fout, molybdène, ça n'a pas d'importance. Lui aussi, c'est des nanocouches comme ça qui permettent, lorsque soumis à des terahertz, de partir en antigravité. Bon. Distribution environment. Cette distribution dans l'environnement, the super high dielectrics force. Avec des super hautes forces diélectriques. Example. The only. Par exemple. The real reason why you must use biological material when you build. La vraie raison, ça correspond à la vraie raison pour laquelle vous devez utiliser des matériaux biologiques lors de la construction de votre maison. Et pour la raison pour laquelle du métal dans votre maison va plus ou moins vous tuer. C'est parce que les constantes diélectriques ne sont pas respectées. Pour permettre une distribution de charge. Chose qui n'existe pas dans le bois. All school buildings destroy the souls of your children. Et le fait que ces nouvelles écoles modernes pleines de ferraille soient le moyen de détruire l'âme, soit pas le moyen, mais enfin, on pourrait faire de détruire l'âme de vos enfants. Right. So this, en tout cas, de les maintenir diminués. Yeah. This is. A little intro to this idea, and by the way, it's a bad picture. Supposedly, it was supposed to be a picture of ball lightning, but I was told later it's probably. Alors là, il nous montre la photo et il nous dit, d'ailleurs, une photo interdite. You're not a good picture of ball lightning. Enfin, banni. But anyway, many people have documented that ball lightning, which we now know is a plasma.
Beaucoup de gens ont fait des expériences, enfin, ont documenté le fait que les boules de plasma, dont on sait aujourd'hui que ce sont un toroïde, des toroïdes, responds very well to telepathy. Répondent très très bien à la télépathie. And the physics of why ball lightning is, I mean, so the question is, if you see, et pour des raisons physiques, ball lightning or a child crossing the road unsafely, what do? You talk to it. And the... Ah, oui, je viens de comprendre. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez ça? Ben, vous lui parlez, si c'est un enfant qui traverse. Imaginez, vous arrivez, vous voyez ça, vos lunettes sont embuées, vous ne savez pas ce que vous voyez vraiment. Au cas où ce soit un enfant, vous lui parlez. Hein, genre. Ball lightning will listen. Comme ça, vous ne flippez pas de la boule de lumière. And it will hear you. It will... Et la raison pour laquelle la boule de lumière va vous entendre, va vous écouter, va communiquer avec vous. Sa physique de fonctionnement, par le biais de l'implosion, en se plaçant au centre du toroïde, where it's propagating longitudinal coherence, où se propage une cohérence longitudinale. The DNA radio, as it were, by which... C'est un peu la radio de l'ADN. Telepathy. Ah non, le ratio de l'ADN qui nous permet la télépathie. It works quite literally. So that, so... Donc ça, c'était notre introduction. Et vous faites une place au fond de la classe, hein, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin d'un petit café. Ah ben, dites-moi. Petite clope aussi. Elle est pas mal, sa photo, hein, de boule de lumière, là, de plasma. Hein. Et c'est aussi des boules comme ça, des fois, qui font les crop circles. Enfin, c'est difficile à dire parce que les rods, là, s'ils veulent, autour d'eux, ils créent une diffraction de la lumière locale, de l'air ambiant, ce qui fait que l'image est comme ça. Et vous ne savez pas différencier si à la base c'est plasmatique ou si c'est un truc tollé boulon qui monte en fréquence. These are some of the other websites, Fractal. Donc, il y a plein de sites web à lui, là. La physique fractale de la distribution de charge dans le vide, la clé à la cohérence du vide pour les technologies du point zéro, zero point energy, hein, et la négentropie, c'est-à-dire la force de vie en général. Donc, Dan Wintern, 10 novembre 2019, à la conférence d'Amsterdam, sur les découvertes générales en énergie. Son site fractalfield.com ou Therapy, donc therapy.net, goldenmin.info, realhearthcoherence.com, donc réelcohérencecardiaque.com. Là, hein, c'est... Non, mais je suis très sérieux, hein, je fais des encarts style je parle de tout et de rien, mais... Je l'ai suivi pendant quelques années, monsieur Dan Wintern, hein, et je peux vous dire que c'est pointu. C'est pointu. Je trouve que ça rejoint Nassir Haramein, je trouve que ça rejoint le travail chamanique, je trouve que ça rejoint plein de choses très intéressantes. La disposition mentale lors de la magie interne, de la magie énergétique, on va dire, du soin à distance. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais je l'ai abandonné ces dernières années. Enfin, de temps en temps, là, il revient, a priori. Donc, c'est bien parce que ça me remet une couche de Dan Wintern. Alors, après, il y avait ithrve.com. Je pense qu'il y a peut-être une erreur, là, non? Parce que ça, c'est thrive.com, implosiongroup.com, résonancegroup.com, ça, c'est Nassim Haramein, implosiongroup.com, ça, c'est lui, et fractalu.com, grand U, hein, c'est lui. Des technologies
Attends, toutes les technologies de cohérence du vide demandent ultimement une symétrie de conjugaison des charges au niveau fractal pour imploser l'éther environnant en superfluide de charge, un médium de charge, un superfluide, oui, un superfluide de charge, jusqu'au point de négantropie. La création directe est quasiment toujours interchangeable, puisque l'énergie ou la propulsion depuis que le bénéfice net est simplement l'inertie de la charge. Alors oui, la sortie directe est toujours interchangeable entre l'énergie ou la propulsion, puisque le bénéfice est l'inertie de charge, ce qui définit les deux. Bon, les deux quoi ? L'énergie et la propulsion, je suppose. Ou le gain et l'inertie de charge. Non, ça c'est la même chose. Bien, désolé. Si vous arrivez à rendre votre plasma centripède et que vous émettez un cône de pain dans deux directions opposées, des cônes de plasma, vous faites de la magie. Son objet pour mesurer la cohérence cardiaque permet de mesurer l'amour. Ça permet de mesurer, c'est une machine à détecter le mensonge. Like a real heart coherence on time, you can see all the EKG harmonics, so we can measure love, we can measure tantra. Ils peuvent mesurer le tantra. And heart coherence is literally a lie detector. It works. It's all fun. iThrive.com, our HRV app. Alors, c'est bien iThrive.com. ImplosionGroup.com, our tech app. And FractalNewYork.com, our educational. Bien. Alors, évidemment, c'est les appareils qui sont à 1000, 1500, un truc comme ça, dollars. Et vous n'en avez pas besoin toute la journée. Donc, c'est une des raisons de plus pour avoir des groupes qui disposent d'un volume qui est à la fois protégé, drainé des mauvaises énergies, alimenté en négantropie et qui dispose d'objets dont on a besoin parfois, de temps en temps. Hein, ouais. Et le problème, c'est qu'avec ce qui nous pend au nez, là, ça ne va pas être facile de se procurer tout ça ou de le créer. Mais au moins pour le créer, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc bon, les techniciens parmi vous, au boulot, si vous voulez, il faut au moins comprendre comment ça fonctionne. Après, retrouver la disposition des éléments, ben, si on n'a pas les bons éléments, mais qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il les fallait eux, à cause de leur cristallinité ou quoi que ce soit, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Vous pourrez trouver des ersatz, mais bon. Ah oui, parce que je m'attends à grave, là, c'est plus ou moins clair. Enfin, ça dépendra des gens. Hein. De toute façon, les gens qui vont se faire pucer, ils n'auront aucun intérêt pour tout ça. Ça, c'est sûr. Et oui, ce qui va être pénible, c'est l'affrontement entre ceux-là et nous, quelque part. Quand il y en aura, s'il y en a, on va les éviter, si possible. Mais bon, une fois qu'on s'occupera de notre mobilette, il faudra peut-être nous foutre la paix. Hein. Ouais, pas non. Donc, la physique du vide, c'est que c'est un superfluide et que dont la distribution efficace dépend de la conjugaison fractale. La structure de l'hydrogène nous explique la nature réelle de l'énergie du point zéro qui est fractale en quart. Donc, pour simplifier, si j'ai bien compris,
longueur de Planck la plus petite est un sous-multiple d'après le ratio de phi des dimensions de l'hydrogène qui elle-même se répercute encore. C'est la plus petite brique qui construit tout quelque part. C'est le truc qu'il faudrait arriver à manipuler pour pouvoir guérir quelque part. Faire un vent d'ion négatif, ça doit, enfin, ça, élucubration personnelle, on va dire, ça devrait concerner ce sujet-là. Donc, on arrivera à comprendre comment est-ce que l'hydrogène crée la gravité, puisqu'on arrive à connaître la cause de la gravité. Bien, je me demande à quel moment est-ce que là, JPP peut intercaler son univers inverse. Parce qu'il y a de ça, là. Je pense aussi qu'il y a de ça qu'on peut le faire, là. Enfin, vous voulez qu'il voie ça? Mais ces derniers temps, il a fait la Bible en bande dessinée. Il souligne des traits assez bizarres, hein, sur lesquels, en général, on passe rapidement. C'est bon, c'est intéressant, c'est amusant. Moi, j'ai été étonné qu'il ne nous parle pas du tout de Ziti, parce que justement, tout ça, c'est dû à des Ziti, quoi. Et qu'il est branché Ziti. Mais bon, ce n'est pas dû aux humains, normalement, toutes ces histoires bibliques. La Bible, hein, qui sort d'un texte sumérien aux yeux de 5000 ans plus tôt, hein, on se rappelle de tout ça. Donc là, il pouvait nous parler directement de l'arrivée d'Enki Enlil, enfin, version, enfin, voilà, la totale, quoi. Ninarchag, l'Eden, les Shining One, et on descend de la légende dans notre histoire. Moi, je n'ai pas de problème maintenant à le faire. Bon, je peux me tromper dans les interprétations des noms, des personnages, mais globalement, voilà. On reprend. Faut-il rappeler aussi que quand on dit Amen à la fin d'un texte, c'est une référence à Amon-Ra, et on connaît le côté sociopathique de Ra. Alors, est-ce que vous voulez donner votre énergie à Ra lors d'une demande d'exhaustion, de réalisation de votre prière, de votre souhait? Vous savez, c'est jamais gratuit, hein. Lui vous prend des trucs qui ne devraient pas. Puisque normalement, c'est vous qui le faites, ce boulot de réalisation. Je pense, hein, qu'on peut imaginer ça jusque-là. Bon, on reprend parce que là, la théologie en plus là-dedans. Hein. Donc, une fois qu'on comprend l'implosion des charges, qui est la manière dont on tire de l'énergie, de l'inertie depuis le vide, vous avez la solution pour tous les dispositifs à énergie du point zéro. Et j'en ai quelques exemples dans ce slideshow, si on arrive jusqu'à ce point-là. Ben écoutez, je ne sais pas si on va y arriver, nous, hein, parce que... Ça fait combien de temps la vidéo, là? 1h15? Je ne sais pas, en tout cas, on n'a fait que 24 minutes sur... Il nous en reste 32. Bon, on peut continuer encore un petit peu, je pense. Enfin, pour de toute façon, ceux qui ont pas suivi jusque-là, il y a longtemps qu'ils sont partis, a priori. Et pourquoi est-ce qu'on en parle ici aujourd'hui? Ben, c'est parce que c'est justement le principe de l'ascension. La capacité de mettre en place un dispositif en faisceau, en symétrie. Donc en fait, il se passe quelque chose au niveau géométrique, physique, au niveau de l'ADN, au moment de notre extase. Ces instants d'extase que j'ai un peu traduit tout à l'heure par le frisson dorsal. C'est le moment où il y a une implosion au niveau de l'ADN par récursivité de récursivité des brins, des codons d'ADN. Donc, la physique de cette implosion de charge est le meilleur exemple de dispositif à énergie du point zéro, c'est-à-dire l'ascension. On va même définir que cette construction récursive de l'ADN est la structure dans l'univers qui a le plus de dimensions. Sheldon Winter qui nous le dit. Hein.
Donc, à chaque fois qu'il y a ce moment de frisson, au moment où se tord sur lui-même le codon d'ADN, une fois de plus, c'est le moment aussi où on change de dimension. Et là, la disposition finale de l'ADN est la structure qui a le plus de fois fait ça sur elle-même qu'on puisse trouver dans l'univers. Ben bon, si j'ai bien traduit, hein. Si j'ai bien compris aussi. Parce que c'est celle qui a le plus de superposition possible d'axes de symétrie du spin. Ah ben, mais moi je pense que j'arrive presque à comprendre ce qu'il dit là. Et ça me rappelle un physicien géométrique, plus ou moins amateur aussi de géométrie sacrée, qui nous décrivait le cœur comme étant une forme particulière bâtie selon trois pétales, si on peut dire, en bas et quatre en haut. Et c'est la position qui crée ce... un septum, une forme en sept, qui a sept axes de symétrie. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a sept couches au cœur, quelque part. Le péricarde et tout ça, et les couches cardiaques, les faisceaux musculaires, les bandes de tissus musculaires qui se superposent de manière à respecter ces axes de symétrie là quand il va bien le cœur. Quand vous avez le cœur gros, ça dépend. Si vous avez un cœur d'artichaut, c'est pas mieux, hein. Quoique c'est assez comme ça l'artichaut aussi, hein. Enfin, ça a des inconvénients, hein. Ça dépend de la mayonnaise bien sûr en plus. Donc, il nous parle du fait que l'électricité est un superfluide. Encore, l'électricité, je ne sais pas si c'est un superfluide, mais en tout cas, c'est un tuyau aux deux bouts desquels il y a une différence de potentiel, de pression. Hein. Un tuyau, façon de parler, un faisceau, une hélicoïde. Et jusqu'au niveau cosmique, hein, parce que les courants de Birkeland, ils sont comme ça. Et au moment où il y en a deux qui se rencontrent, c'est l'endroit où peuvent se créer une galaxie. C'est là que vient l'origine de l'énergie. Ce n'est pas le soleil. Le soleil, c'est un relais entre. Reprenons. Non, mais je dis ça pour ceux qui adorent le soleil, par exemple. Vous voyez, dans le sens adorer une idole, hein, ou un dieu. Eh bien, il faut aller plus haut. Le soleil, c'est qu'une des conséquences plasmatiques de cette situation électromagnétique. Il faut aller trouver plus haut. Enfin bon, à mon avis, on reprend. Et donc là, on mesure des vitesses supérieures à celles de la lumière. A priori, une fois et demie, une fois, 1,5, 1,7 fois la vitesse de la lumière. C'est ballot, hein. C'est ballot parce que là, c'est soit 1,5, soit 1,7, mais ce n'est pas 1,618. Ça, c'est quand même étrange. On va reprendre. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, hein. C'est assez étrange que, justement, ça cerne le ratio de phi. Il y a moyen, avec des bonnes mesures, justement, de ce passage supérieur à la vitesse de la lumière, suffisamment d'expérience arriveront à prouver que la version de Dan Winter de l'équation et de l'explication du phénomène tient debout. Voilà, je pense que vraiment il faut qu'il s'associe avec Nassim Haramein. Il faut qu'il fasse un pont entre les deux. Alors là, si on s'approche de la page suivante, il nous fait pardon, une liste de termes qui sont équivalents. La parfaite fractalité, la parfaite récursion,
l'auto-inclusion parfaite, la parfaite self-similarité, la compression parfaite, l'implosion parfaite, l'entanglement parfait, la phase de conjugaison parfaite, la nidification parfaite, la cohérence du vide parfaite, la force centripète, voire accélération parfaite, enfin pas parfaite d'ailleurs là, et la production de gravité, c'est l'accession à l'énergie du point zéro. Et le seul point zéro, c'est Planck, c'est le seul point oméga où l'inertie des fréquences électromagnétiques transverses est convertie en fréquences électromagnétiques longitudinales de manière non destructive. Ce qui est le seul mécanisme pour les ondes gravitaires, gravitationnelles, la vitesse superluminale par le biais du golden ratio, donc du nombre d'or, et de la conjugaison de phase, est le seul mécanisme pour une action à distance. Alors, par exemple, il y a l'antenne caducée avec ses phases conjuguées pour faire une fréquence électromagnétique longitudinale qui est appelée de manière incorrecte des ondes scalaires ou de torsion. Et Ingo Swann, un des pionniers du remote view, arrivait de manière répétitive à réchauffer des objets avec son esprit à distance, même au sein d'une cage de Faraday. Son ratio d'or, ces ondes électroencéphaliques conjuguées selon le nombre d'or, le tout en plasma, propulsait des fréquences électromagnétiques longitudinales. Et c'est détaillé dans son site flameinmind.com. Flameinmind.com. Flamme, FLAMEINMIND.com. Bien. Alors, mais vous savez, vous pouvez aller sur le site et puis aujourd'hui, vous prenez un traducteur là ou une extension sur votre navigateur et vous traduisez pas trop mal, de mieux en mieux, des pages complètes. Hein. Donc, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas bien l'anglais, ben, c'est le moyen d'approfondir. Bon, Alan lui a demandé d'arrêter son partage d'écran pour le montrer de manière claire à l'écran ce qu'il était en train de faire, mais il ne l'a pas fait pour l'instant. Il est en train de nous montrer qu'il avait, vous voyez, des configurations de fils qui provoquent des donuts, des torus comme ça. C'est un jeu là qui est vendu, là, avec un ressort infini, là, et qui tourne sur lui-même. Et il implique l'un dans l'autre. Alors, lorsqu'ils arrivent à s'impliquer l'un l'autre de manière non destructive, that's called embed ability. Donc, qui a un nom. Hein. And when it's golden ratio, you can nest perfectly and they can implode. And the mind, then, et lorsqu'ils sont au nombre d'or, ils peuvent imploser. You can exist within the mind of God. Et c'est le moment où vous pouvez exister dans l'esprit de Dieu. Alors là, je vais vous traduire encore cette page aussi, parce que les espaces sacrés où il y a une fertilité accrue, ce sont des nœuds où les ondes longitudinales rentrent en conjugaison et où la circulation de charge est la seule énergie libre, donc les forces centripèdes, sont réalisables. Ça permet d'épargner la pollution de l'air. Et ça crée un endroit qu'on appelle sacré. C'est une question de fractalité. Il va nous parler sûrement de la ville de Prague, dont il y a un plan en étoile en rosace, qui est à la limite comme une rose. Alors, il y a un Russe qui s'appelle Korotkov, qui a fait des expériences très, très bien, très intéressantes. Et à propos justement de ces espaces sacrés,
ça veut dire où il y a un endroit où il y a une fertilité à augmenter et un endroit où l'air est fractal et où il y a une inclusivité des charges harmoniques. Et qui propose un instrument de mesure. Donc, par exemple, Bruce Cathy, ce physicien qui traitait aussi de la musique des sphères, si on peut en croire Keith Hunter, K-E-I-T-H, c'est son prénom, Hunter, H-U-N-T-E-R, et qui traite de Bruce Cathy ou qui traite de la musique des sphères. Et son site, c'est occultephysique.com, me semble-t-il. Alors, lui, Bruce Cathy, mesure des masses critiques des noyaux, atomiques en général, enfin radioactifs, dont justement l'émission est réduite de manière très importante au point de croisement des ondes longitudinales, pour la même raison qui existe dans cette capacitance, c'est un capaciteur, comment, en français, c'est un condensateur. C'est la même raison pour qui explique le fonctionnement du condensateur implosif, qui est en fait l'arche d'alliance. Oui, les dimensions selon lesquelles l'arche d'alliance a été construite sont essentielles. Et la constitution des métaux aussi. Et c'est en fait une machine à point zéro quelque part. C'est en tout cas une énergie. Ça peut développer une énergie de destruction massive. Ça peut faire la communication avec la dimension d'à côté, le dieu, ou son vaisseau spatial. Hein, parce qu'il y avait, il est descendu en vaisseau spatial. Hein, ça faisait beaucoup de bruit et son moteur pouvait tuer Moïse. Il lui a dit « Cache-toi derrière ce rocher, sinon ça va te tuer, je ne pourrais pas te ressusciter. » Yahvé, le créateur de toutes choses, soi-disant, ne peut pas ressusciter Noé si Noé se fait irradier par ses moteurs. Et ils n'ont pas tant divin que ça, quoi, quelque part, non, à ce moment-là. De toute façon, ils n'ont pas créé la vie, hein, ils ont retraficoté l'ADN, hein, ils l'ont perpétué, changé, muté, comme nous, quoi. On crée rarement la vie. Rarement. Ça arrive des fois dans la vie, mais bon. Hein, vous savez, un quart d'heure de bonheur pour 15 ans d'emmerdement, on disait des fois. Bon, reprenons. Désolé. Donc, Korotkov, il s'est baladé avec un kogi ou quelque chose comme ça, on va dire un chaman particulier et des instruments. Et il a mesuré les endroits où le chaman en question avait la meilleure communication avec ses ancêtres. Et il a donc pu constater cette correspondance entre les croisements énergétiques terrestres et les capacités accrues du chaman pour faire ses communications. Donc, communications qui sont la concrétisation dans la tête du chaman de la création de le pine cone, dans le cône de pin énergétique, plasmatique, intentionnel, qui arrive à rentrer en conjugaison de phase selon le ratio nécessaire. Et ça, c'est une capacité qu'on a et qui est encore plus facile, réalisable et riche en conséquences quand vous les pratiquez à ces endroits de croisement des lignes. Voilà. Et je suis bon or que sur le plan d'une ville, énormément de maisons de certaines sectes sont placées à ces endroits-là. Ou de genres de monuments qui récoltent l'énergie du louche des populations générales. Notamment lorsqu'elle manifeste. Reprenons. On se demande pourquoi elle manifesterait. Hein. Elles ont demandé la permission. La permission, oui, d'accord. L'autorisation d'avoir la permission. Ouais, mais c'est pas drôle. Hein. Non, c'est pas drôle. On reprend. Donc, c'est l'endroit où la masse nucléaire est réduite
et critique, et dites critique. Alors là, ça veut dire quelque chose, ça, si je me rappelle bien, mais je crains de me tromper. C'est le moment où peuvent se créer, où se crée quelque chose au niveau de l'atome. Alors, est-ce que c'est son implosion, explosion, fission, fusion? Ça me rappelait quelque chose là, mais bon, désolé, je mélangeais tout là, cette heure-ci. Et tant d'années après avoir plongé sur le sujet. Donc, pour lui, l'Arc du Covenant, l'Arc d'Alliance, c'était un réceptacle à bombes nucléaires des Anunnaki qui devait être emballé dans un contenant qui brise les radiations. Donc, il faut comprendre l'implosion des charges. On change de page et on est sur les ondes longitudinales et les fréquences électromagnétiques, EMF, hein, fréquences électromagnétiques scalaires, ce qui est le chemin vers la parfaite distribution, l'immortalité, selon Dan Winter, ce qu'on peut trouver sur fractalfield.com. À fractal et à field, il y a deux F majuscules à propos. Ça nous amène à l'explication des ondes naturelles de l'esprit et de la conscience, qui sont aussi la solution implosive aux énergies du point zéro et à la fusion, peut-être froide, entre autres, avec les points sur la flamme parfaite, c'est-à-dire le feu qui ne se consume pas, qui ne consume pas, la compression parfaite qui est implosive et qui ne génère pas de chaleur et donc qui n'est pas destructive, la conjugaison de phase des diélectriques, des optiques et des aimants ont ces qualités. Ça permet une fusion parfaite qui est une auto-organisation naturellement centripétique dans un conteneur à plasma. Then imagine you're going to sleep and starting to dream and you're on a ley line. You close your... Alors imaginez commencer à dormir, partir en rêve sur une ley line. And you can feel light go out the top of your head and eye with. Et vous pouvez sentir la lumière au sommet de votre crâne. Here's a kundalini and see through. Qui est en rapport avec la kundalini et vous pouvez voir. The top of my head. And au travers de votre crâne. I realize the light is going into an array. Et vous pouvez constater que la lumière se tourne dans un faisceau. I like to lay on the same ley line on the same mountain every. Selon la même ligne ley line. Ley line, c'est ces grosses lignes telluriques de champs telluriques. And I can feel my mind becomes as big as that mountain. Et pouvait sentir son crâne, son esprit, pardon, être aussi gros qu'une montagne. And I'm literally seeing through the mountain. Et pouvait même voir au travers des montagnes. And the physics of the reason I'm doing that is if I'm in. Et la physique ou la raison pour laquelle il fait ça. Embedded in a longitudinal array. C'était qu'il était emballé dans un faisceau longitudinal. And that propagating array. Of coherent nodes qui pouvait propager un faisceau de nœuds cohérents becomes a holographic tool which qui devient ce qui devient un outil holographique to make vision and I can pour faire des visions pour avoir des visions pour créer des visions see through it like et pouvait voir au travers large lens a perfected net of fireflies. So before you ask what a longitudinal wave is, and now. Alors avant que vous demandiez ce qu'est une onde longitudinale. Oh, we can do the. Yes, I still that is because that's sort of like the ground. Alors écoutez, je sais que c'est long, hein, mais on va peut-être s'arrêter là. Et je sais qu'il faudrait absolument la finir cette vidéo parce qu'il vous manque là certains éléments, peut-être. On les a peut-être déjà développés dans une précédente vidéo de traduction des travaux de Dan Winter. Of your whole thesis is understanding longitudinal waves. So I just want to get this so I can understand everything else. Si on arrive à comprendre ce qu'est qu'une onde longitudinale, on peut tout comprendre, nous dit Alan. Good. So do you see what a transverse wave is up top there? Yes, that's. Alors il nous montre ce que c'est que les ondes transverses là-haut. Transverse. It's nervous. Transverse means an up and down motion, you know. That's right. So the electric magnetic wave is doing. That's called. Donc les ondes électromagnétiques font ça, c'est ce mouvement de haut en bas. Transverse, exactly. And now on the bottom. Et en bas. That is a longitudinal wave. C'est une onde une onde longitudinale, et on peut voir là se déplacer les zones de pression.
What are we seeing there? What are you seeing? Voyez en bas, je vous laisse tourner le. See, it depends on the sampling rate of your bandwidth, how fast you see the animation on the bottom of your screen. Is it moving a little bit on the bottom bon. For you? Yeah. Il nous demande si on est en train de voir ce qui se passe en bas, là. Donc, cette zone-là, en bas, le dessin d'en bas. Yes, it's moving on the bottom. Yes, yes, yes. Okay, good. Now, all sound waves propagate like that. Well, eh ben oui, ça me rappelait bien les ondes sonores. Et il nous dit que toutes les ondes sonores se propagent de cette manière. Longitudinal. But electromagnetic waves, physics hasn't learned to use that part of electromagnetic waves at mais la physique n'a pas appris à utiliser cette partie des ondes électromagnétiques, pas du tout. Physics... Encore, c'est pas vrai. C'est fini depuis la 5G, depuis Tom Bearden, depuis les armes à énergie dirigée, depuis tous les travaux de Remote View, depuis on a un Français qui s'appelle comment, là, Bernard Girard, qui lui aussi tord des éprouvettes de métaux, d'alliage, sous expérience contrôlée par les militaires, là, et tout bible, la science et tout ce qu'ils veulent. Hein. Comme Ingo Swann, quoi. Des transformations, des transports d'énergie et transformations des lieux à distance, malgré les obstacles. Hein. Tous les obstacles, a priori jusqu'à présent, mais bon, il y en a sûrement quelques-uns. Ben, j'en sais rien. Hein. La physique ne comprend rien sur les communications à ce niveau-là, sur le rêve éveillé. And physics doesn't have a clue what action at a distance is. And et elle ne sait même, elle n'admet même pas, elle n'a pas de preuve et elle n'admet même pas les actions à distance. And that's why Einstein was dumb enough to call action in a distance spooky, because he didn't. C'est pour ça que Einstein était assez bête pour traiter ses actions à distance de délirantes. Know what that was? Parce qu'il comprenait pas ce que c'était. That's how gravity waves are made. Parce qu'il n'arrivait pas à expliquer ce que c'était les ondes gravitaires. So there you have on the bottom, that's a picture of a longitudinal electromagnetic. Donc en bas, ce qu'on a comme image, quand elle tourne, ce qui n'est plus le cas, c'est l'image d'une onde longitudinale. For example, practical example. Par exemple, an earthquake causes a tsunami. Lorsqu'un tremblement de terre crée un tsunami. That tsunami will start up top. Cette tsunami va partir en haut. Like this, okay. So the earthquake on top started the wave going. When the earthquake starts, most of the inertia of the wave that can go faster than a jet. Quand le tremblement de terre commence, l'énergie de l'onde qui peut aller plus vite. Flies across the ocean, the tsunami. Enfin, ça peut aller à 800 km/h. Most of the inertia of that tsunami is traveling like the bottom picture, like a longitudinal wave, okay? Il y a une partie de cette énergie qui voyage sous forme d'onde longitudinale. Now, if you're a boat on the surface, as the tsunami goes underneath you, si vous êtes un bateau à la surface lorsque vous passez au-dessus du tsunami, you do not know that it has passed you. Vous ne vous rendez même pas compte que ça vous a passé. However, when that longitudinal wave, compressional wave tsunami approaches the shore, mais lorsque cette onde de compression approche de la rive, at the shoreline there is a half of a cone. À l'arrivée sur la plage, il y a la moitié d'un cône. The wave goes up a slope, and the compressional inertia has its vorticity translated. Et l'inertie en compression a son vortex qui est transformé. And so then at the shore, because it went up the half cone of the shoreline, once it reached the shore, suddenly it's going up and down, and then it can kill you. À ce moment-là, sa force passe en mode vertical d'en haut en bas, et ça peut vous tuer. Right. Wait, let me see if I understand this. So we have. Je pense qu'il. Il n'a pas pris le meilleur exemple. Hein. Waves on the ocean. You can take a wave comes into the shore. Je vais aller voir un petit peu plus loin s'il y a des points essentiels à vous traduire là, parce que on se perd. On répète les mêmes choses un petit peu des fois et puis on se perd. Alors à tout de suite. Voilà, là on est allé un peu plus loin, mais c'est un schéma qui correspond à ce dont on vient de parler depuis le début là.
c'est le moment où cette onde là, qu'on peut voir ici en 2D, hein, mais qui tourne, là, elle fait une hélice qui se rapetisse, dont le rayon se rapetisse ici et dont la vitesse s'accroît. Et cette onde qui finalement allait de haut en bas, en passant à la longueur de Planck ici, d'un coup elle devient longitudinale. Voilà. Vous pouvez justement faire des prises d'écran hein, de tout ça là. Bien sûr. J'espère que je ne vous ai pas gêné avec ma tronche. Ça, c'est le schéma qui explique que les deux ondes doivent arriver face à face pour se croiser à ce point-là et qu'à un moment où, à la distance de Planck, elles sont juste en conjugaison de phase, il se crée l'instant magique. L'énergie, il se crée l'énergie, on remonte le temps. Ouf. Rajeuni. Voilà, ça y est, j'ai 10 ans. Désolé. Non, je ne continuerai pas. Non, mais d'ailleurs, je vais vous dire au revoir. Hein. Bon, à tout le monde, bon courage. On reprendra plus tard. On reprendra possiblement un de ces jours. J'espère que je vous ai quand même intéressé au sujet, hein, puis que vous allez trouver des documents en français là-dessus. Ouais, parce que, voilà, ça concerne autant les nouvelles technologies auxquelles on est confronté en ce moment par le contrôle mental à distance, les DIU, ça concerne aussi l'ascension. Ça concerne plein de choses. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ben, ça nous a fait un peu des vacances. Ah oui, parce que sinon, hein, bon, globalement, c'est la guerre. Hein. Froide envers le peuple, froidement. Hein. C'est la guerre. Il faut partir au maquis rapidement. Ils prennent n'importe quelle mesure, ils expliquent n'importe comment. Enfin, c'est la totale. Hein. C'est flagrant. Donc, les prophéties, ils veulent absolument les respecter, quoi. Genre, avec le nombre de la bête en 3 épisodes, une vaccination, une identification et un porte-monnaie numérique. Sous blockchain. Alors voilà, Trump, il a soutenu sa sécurité de vote, a priori, là, en incluant des dispositifs sous blockchain, qui vont pouvoir déterminer quels sont les vrais bulletins défauts. Donc, et donc se faire élire a priori. Mais blockchain, la différence avant, c'est qu'on pouvait prendre de l'argent et le déposer, tandis que maintenant, vous êtes sur la ligne de l'argent, ils savent tout le temps ce que vous en faites et où vous êtes globalement. À un certain niveau, à d'autres niveaux, avec d'autres puces, ils contrôlent la même chose au niveau de votre mental, du flux d'énergie mentale globalement, quoi. Etc. Et ça craint. Bon, alors que pour garder le moral, on va prendre le maquis. À très bientôt, bon courage, haut les cœurs. Ça devient un petit peu cérémonial, non, même pas, non. C'est un haut les cœurs de façon mentale, c'est le sourire intérieur. Passez le mot, à très bientôt. Salut. Across again, and the transverse component becomes heat containing, and that is the only solution to plasma containment. C'est le seul moyen de faire un container à plasma. Make fusion physics possible. So, pour rendre la physique de la fusion possible. All these idiots who are going around and think we're using magnetic field. Et tous ces idiots qui tournent autour de l'idée de faire un champ magnétique pour contenir la chaleur issue de la fusion sont stupides. Mais l'idée, c'est que la physique doit être celle des ondes longitudinales qui permettent le containment, la contention, l'enfermement. Magnetics and all fusion.
des phénomènes de la fusion atomique. The physics research on the planet needs to be reinvented today when they understand. Etc., etc. Bon, petit clin d'œil pour JPP et l'EPR. Je pense que ça va lui plaire. Bon, ben voilà. C'est un encart en post-scriptum. Salut, à la prochaine.